tout de suite. Une équipe de l'UTC où on va trouver des internationaux partout, Louis. Des internationaux à toutes les lignes. Avec à l'arrière Renaud Guigues. Attention, la ligne de trois quarts. Elle est composée par Hill et Hall aux ailes. Attention parce que là ça va très vite. Steve Hall et Matthew Hill, Saïd Tangart et Phil Howlett seront associés au centre de la puissance et de la vitesse. La charnière, ouh, solide Louis. Cette charnière avec Julien Rinaldi et Laurent Frécinous, c'est la charnière de l'équipe de France. Toujours le sourire, Julien Rinaldi et Laurent Frécinous. La première ligne est composée par Adel Fellous, David Berthézen, Romain Gagliozo. Ça c'est une première ligne de poids, de qualité. Seconde ligne internationale avec Pascal Jampi et Jamal Fakir. Mon Dieu, que ces deux garçons sont solides, rude plaqueur. Et enfin pour composer ce paquet d'avant, eh bien il y a Aurélien Colony, le capitaine catalan Aurélien Colony, qui va donc caler le pack de cette équipe entraînée par l'entraîneur anglais Steve Deakin et par Bruno Castagni. Louis, à n'en pas douter, c'est pratiquement ce qu'on fait de mieux dans ce championnat de France avec ces deux formations. Oui, c'est une équipe qui est constellée de personnalités, de joueurs internationaux. Donc c'est une équipe redoutable, mais Saint-Gaudens n'a pas peur. Et attention, parce que loin de proposer un duel entre David et Goliath, les joueurs de Saint-Gaudens ont aussi beaucoup de cartes à jouer. Et dans le vestiaire, il y a à peine quelques secondes, Ivan Bodenes a glissé une caméra. Vous allez écouter ce petit briefing d'avant-match d'Arnaud Dulac, le capitaine, et de Robert Viscaï. Écoutez. Et ils ont plus de la pression que nous. Hein. Ah oui, c'est ils sont chez eux. C'est il faut qu'ils gagnent à tout prix. C'est la Super League. Voilà. Il va y avoir que des mecs qui vont venir les voir. Et nous, on joue simple. Sans faute, c'est bon. Hein. Il y a le temps. Mais cette année, c'est nous. Tu peux gagner l'an prochain, hein, les gars. Ouais. Je suis ici. L'an prochain, cette année, c'est nous. On est confiants. L'an dernier, on a joué. On a l'expérience. Cette année, on n'est pas là pour jouer. On est là pour la gagner. OK. Attention, Rach. Ah, c'est clair, hein. Mazette, on n'est pas là pour la jouer la finale, on est là pour la gagner. Le message est clair, vous avez entendu le capitaine Arnaud Dulac. Ils vont jouer la Super League. C'est à nous aujourd'hui de jouer notre jeu sans pression. Richard Bell a ajouté aussi, ils pourront peut-être la gagner l'année prochaine, mais cette année c'est pour nous. L'équipe de Saint-Gaudens ne vient pas ici en victime expiatoire, loin s'en faut. Elle vient avec une équipe qui ressemble comme une sœur à celle proposée en demi-finale. Je vous propose à présent de découvrir un alignement comme un joueur qui a lui aussi fière allure. La composition de Saint-Gaudens, on va trouver à l'arrière sans doute le meilleur arrière du championnat. Je ne pense pas me tromper, Louis, en disant que Adam Inès a marqué de sa classe la saison. La ligne de trois quarts, elle est intéressante avec Thibaut Sur à gauche, à droite Fourcadamas, Arnaud Dulac qui fait son retour et Claude Sirvain. Le flanc droit, Louis, c'est international, il n'y a pas à torpiller. Ah oui, et puis alors c'est du rapide. Ah, c'est du rapide avec la charnière autour d'Anthony Golder et de Nassim Kebdani. Là aussi ça va aller très très vite. Nassim Kebdani qui est un véritable accélérateur de jeu. Première ligne, alors là il n'y a pas à rougir, hein, côté Saint-Gaudens, parce qu'avec Jean-Christophe Borrelaine de côté, Brad Middlebosch de l'autre et le formidable Lee Bowman, excellent joueur, attention le talonneur Lee Bowman, eh bien ils ont de quoi aussi à montrer à ces joueurs catalans. Seconde ligne est composée par Cook et Vignon. Et Vignon, il manque quelques petits centimètres pour être à la hauteur du grand Kevin Cook. Eh bien, en tout cas, il sera sur le terrain à la hauteur, ça c'est sûr. En troisième ligne, c'est Russell Bussian, dit Russ la classe, qui va donc occuper le poste de troisième ligne. Lui qui est aussi l'entraîneur de cette formation aux côtés de Robert Viscaï. Nous avons, Louis, dites-moi, deux formidables équipes. Je le disais en introduction, hein, mais évidemment que la finale propose les deux meilleures équipes. Mais avant toute autre chose, elle propose deux équipes qui nous ont montré cette saison un jeu très séduisant. Ah oui, absolument. Et puis c'est surtout le parcours intéressant de ces deux formations qui ont sérieusement combattu pour se disputer la première place. Et il y a eu des victoires d'une équipe chez l'autre. Donc les deux grands sont quand même au rendez-vous après des play-offs extrêmement serrés où on a pensé à un moment que Saint-Gaudens était dans le trou. Non, tout le monde est là pour cette grande fête et très colorée. Oui, très colorée. Les supporters de Saint-Gaudens et les supporters de l'UTC, vous les avez vus, ils sont venus nombreux ici au stade Aimé Giralt de Perpignan. Parfaite organisation, hein, pour cette rencontre, si ce n'est un petit bémol à apporter, puisque les joueurs de l'UTC et de Saint-Gaudens n'ont pas pu bénéficier de toutes les installations ici au stade Aimé Giralt. On a coutume de dire que le rugby véhicule des valeurs fraternelles. Et bien, pour ceux qui tendent à cette universalité fraternelle, notamment dans le sport,
Ah ben, ça n'a pas vraiment été le cas aujourd'hui et je n'ose pas croire, Louis, que le club résident ici de l'USAP, pour ne pas le nommer, n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour permettre à ces joueurs, qui sont avant tout des hommes, d'être traités de la même façon. Et à l'heure où on parle, Louis, de tolérance, il est bon de signaler que ce qui s'est passé, ça mérite un petit carton jaune, en tout cas quelques petits doutes sur lesquels il faudra sans doute s'expliquer. Vous avez vu les arbitres, l'arbitre de centre, ça sera monsieur Alibert, et puis vous avez aussi découvert les arbitres de touche et les arbitres d'un but. Monsieur Chirac est là aujourd'hui. Ben oui, mais c'est une grande personnalité. Oui, parmi le trio arbitral, nous avons des arbitres de touche, nous avons les arbitres d'un but et nous avons aussi un arbitre vidéo qui va officier. On aura l'occasion peut-être de vous montrer tout à l'heure, mais sans plus tarder, nous allons sacrifier le protocole en écoutant Marseillaise. Manifestement. Oui, c'est l'heure où on rentre de la plage. Donc aujourd'hui, il y a au menu un bon match de rugby à 13. Pour satisfaire la curiosité de ceux qui, éloignés de leur région natale, sont de retour au pays. Donc ils sont tous venus aujourd'hui. Allez, sans plus tarder, nous allons faire un petit détour par le bord du terrain, retrouver celui qui pratique une élégance que l'on ne retrouve plus guère qu'à Paris, à savoir Hervé Guiraud. Bonjour Hervé, je vous vois aux côtés de Gilles Dumas, l'entraîneur de l'équipe de France. Oui, bonjour à tous, merci Rodolphe pour vos compliments. Oui, aux côtés de Gilles Dumas, l'entraîneur de l'équipe de France. Gilles, l'an dernier, vous étiez encore l'entraîneur de cette équipe de Saint-Gaudens, qui était finaliste à Narbonne. Je pense que ça doit vous faire un grand plaisir de retrouver cette équipe aujourd'hui en finale à Perpignan devant tout ce monde. Ah, bien évidemment, j'ai mon cœur qui pêche ce soir du côté de Saint-Gaudens. Mais malgré tout ça, je crois qu'on va assister à une super finale parce qu'il y a deux très belles équipes qui se sont bien affrontées tout au long de la compétition et qui ce soir, je crois, vont nous régaler. 2-2, puisque Saint-Gaudens a battu deux fois l'UTC dans le championnat, puis l'UTC, par contre, a battu deux fois cette équipe pendant les play-offs, donc un match très très serré. Ça sera vraiment du 50-50. Je crois que ça va se jouer à très peu de choses, donc on va laisser la place au spectacle. Merci Gilles, merci beaucoup. Finale du championnat de France de rugby à 13 2004, l'équipe de l'UTC ici au stade Aimé Giral de Perpignan rencontre l'équipe de Saint-Gaudens. Le coup d'envoi va être donné par Julien Rinaldi et par l'UTC. C'est parti, le pinacle de la saison démarre par un long coup de pied et une récupération de balle pour l'équipe de Saint-Gaudens et une première portée qu'il va être important, Louis, qu'il va être important de juger ses premiers ballons. Oh, et la défense de l'UTC et première défense énorme, c'est celle d'Adèle Felous. Allez, ballon haut pour Jean-Christophe Borlain. Et aux dernières nouvelles, Aurélien Colony, le capitaine catalan, a dit il y a à peu près une heure, la tension est en train de monter, nous sommes très en colère. Oui, très en colère, mais surtout très agressive au sens le plus correct du terme, puisque sur ce coup de pied d'envoi très long, la défense est extrêmement rigoureuse et Saint-Gaudens n'a pas réussi à remonter la balle au-delà des 30 mètres, voire Robert concéder un tenu de transition. Oula. Oui, que se passe-t-il là? Accrochage entre deux joueurs qui vont être extrêmement importants, beaucoup de tension. Et oui, évidemment, on le sait, ça démarre souvent au ras du tenu avec petit accrochage avec deux très bons joueurs et monsieur Alibert va les faire à la police. David Berthézen et Lipoman, c'est sans doute un des duels. Alors, Anthony Golder. Voilà, c'est réglé. Alors voilà, comme ça maintenant, bon, ça c'est fait.
Oui, alors, donc ça s'est réglé d'une manière très claire. Saint-Gaudens écope d'une pénalité bien placée sur la première série de tenues. Vous avez vu ce qui s'est passé, c'est que David Berthézen voulait arracher le ballon pour jouer vite. Oui. Pour jouer vite la balle, et ça n'a pas été possible. Et du coup, il y aura une pénalité. Mais en fait, ce qu'on sanctionne aussi, c'est ne pas avoir laissé. Voilà. Laisser ce ballon vivre et le rendre surtout. Voilà, c'est surtout ça qui est sanctionné. Donc les gestes d'énervement évidemment peuvent se comprendre dans ce début de match puisque on veut absolument accélérer le jeu du côté de l'UTC après avoir gagné ce premier combat dans l'occupation du terrain. Allez, la première pénalité, attention, parce que Laurent Frécilous mettre un coup de pied, l'ancien Villeneuvois qui s'était imposé l'année dernière, il avait remporté un titre de champion avec cette équipe de Villeneuve qui avait battu justement cette formation de Saint-Gaudens. Les deux équipes se sont rencontrées à quatre reprises, de partout, entre les deux formations. C'est donc aujourd'hui l'occasion de remettre tout à plat entre Saint-Gaudinois et Catalans. C'est parti, et Laurent Frécilous, le demi d'ouverture de l'équipe de France, qui ne rate pas le coche. Et voici donc les premiers points pour l'UTC, 2 à 0 après cette pénalité réussie dans les tout premiers instants, une minute et déjà 2 points. Oui, mais c'est une pénalité qui concrétise la domination territoriale. Oula, sorti pour l'UTC, Pascal Jampi, le second de ligne, aïe aïe aïe, Pascal Jampi qui est sorti, blessé sur cette entame de match, et je crois avoir reconnu Russell Bowden, oui c'est Russell Bowden qui est rentré pour remplacer devant l'emblématique, il n'y a pas d'autre mot. Alors ça pourrait être un lieu commun, Rodolphe. Le joueur est emblématique, mais Pascal Jampi, c'est tout le tempérament catalan de cette équipe. Allez, ouais, de cette équipe de l'UTC. Et Dieu sait s'il y en a des joueurs catalans dans cette équipe UTCiste. Oui. Je vous rassure, Rodolphe, ce n'est pas très grave la blessure, ce serait une coupure au genou, dont il est allé se faire recoudre le genou tout simplement. Merci Hervé. Bon, tant mieux pour l'UTC. Ballon pour Adel Fellous, plaqué. On devrait avoir une très belle partie entre deux talonneurs de très grands. Talent, Lee Bowman, le talonneur de cette équipe de Saint-Gaudens, dont son entraîneur Russell Bussian dit que si d'aventure il était né au Queensland, eh bien il pourrait être le talonneur des State of Origin, de l'équipe des State of Origin, des Maroons du Queensland. Rien que ça. Ah bah oui, surtout à cette époque-ci où les places sont dures à prendre dans ces State of Origin. Oui, absolument. Attention, libération de balle pour Saint-Gaudens, c'est bien joué. Allez-vous deux sur la ligne, lâchez. Le ballon à hauteur de la ligne des 40, ballon ramassé justement par Bowman, derrière le tenu qui accélère, attention, Bowman qui est pris et aura le tenu, il va falloir être prudent, il est plaqué par Jamal Fakir, derrière le tenu c'est Nassim Kemptani qui a pris ce ballon, qui va organiser maintenant l'offensive, le ballon juste à hauteur, c'est bien joué pour Cook, avec Claude Sirvain qui touche son premier ballon, Claude Sirvain hauteur en demi-finale face à Pia, d'un essai extraordinaire, une vitesse prodigieuse, c'est à croire que ce garçon a appris la course à pied à Simostin parce qu'il est passé comme un rêve dans toute la défense. À moins de temps qu'il en faut pour Diouf, il avait déjà passé la ligne. Coup de pied par-dessus, attention, c'est pas mal ce qu'a tenté Anthony Golder. La chandelle à la réception. Il y a un Renaud Guigues parfaitement replacé qui a hésité à libérer le ballon à l'intérieur de 6 10 mètres. Pratiquement 5 minutes de jeu dans cette finale du championnat de France de rugby à 13. Et toujours 2-0 pour l'UTC. On a changé de main, mais on a pu se rendre compte, Louis, qu'hormis la petite faute tout à l'heure, attention, en défense, c'est du sérieux. Attention, ballon récupéré par Cook qui a pu servir Sirvain. Sirvain dans l'intérieur des 10. Et on sait qu'ils sont terribles au plaquage, ces joueurs de Saint-Gaudens. Ballon perdu, que dit l'arbitre? Oui, l'arbitre considère que c'est Claude Sirvain qui a laissé échapper cette balle. Donc c'est une mêlée favorable à l'UTC, alors que Saint-Gaudens venait de récupérer là une très bonne balle de contre-attaque à l'intérieur quasiment des 10 mètres de l'équipe de l'UTC. Donc très bonne occasion ratée pour Saint-Gaudens. Voici le banc de l'équipe de Saint-Gaudens. Vous avez reconnu Frédéric Chanfaux, Richard Bell notamment, et Boitou Koulibaly. Rodolphe, pardon, c'est une pénalité qu'a ordonné Thierry Alibert. Arrachage de balle. Arrachage de balle, oui. Fourcade Abbas qui va se replacer. Fourcade Abbas, tandis que Stephen Hall va vouloir jouer cette pénalité. Julien Rinaldi, on a sauté pour Russell. Russell Bowden qui a perdu le ballon, l'ancien joueur du Storm de Melbourne. Et solidarité toute australienne. Ah non, mais il s'est peut-être blessé avant de lâcher le ballon. Ouais, ouais, y a un truc là sur cette affaire. Voyons, Louis. On revoit la passe. Ah non. Oui, ben, c'est-à-dire que Bowden a quand même déjà un pansement important au genou gauche. Oula. Donc il est possible que sur ce contre-pied, sa blessure au genou s'est aggravée. Donc il est possible qu'on assiste à un changement définitif de Bowden. Aïe, 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 dommage. C'est un pari qu'avait certainement fait l'entraîneur. Alors ici, tiens Louis, c'est
Claude Alba qui va officier aujourd'hui. Ça sera l'arbitre vidéo de cette partie, en cas évidemment de litige sur les actions, et notamment les actions entraînant un essai. Mais on pourra faire appel à l'arbitrage de la vidéo. Pour ce qui est sûr, pour ce qui est de Russell Bowden, c'est sûr. Le kiné. C'est terrible ça, hein, Louis. Qu'est-ce qui s'est passé? Voyons ici. Ah ben, je pense qu'on avait fait un pari sur la possibilité de résistance de ce joueur. Une blessure qui s'est à nouveau réveillée, donc qui empêche ce joueur. Donc c'est un coup dur pour l'UTC qui perd définitivement un joueur. Alors attention, parce que Bowden est sorti. Jean-Pi n'est toujours pas revenu puisqu'il est en train de se faire recoudre le genou. Il faut dire que les contacts sont rudes. Et ballon pour l'UTC, et c'est Grégory Mounis qui est rentré. Alors Grégory Mounis, il peut jouer partout, hein, Grégory Mounis. Alors peut-être est-il rentré devant Grégory. Ballon pour Jean-Christophe Borlin, dont on dit que lorsqu'il joue bien, lorsqu'on dit que Jean-Christophe Borlin avance, c'est toute cette équipe de Saint-Gaudens qui déboule. Alors attention, ballon à hauteur de la ligne des verts, il faut sortir Anthony Golder. On écarte maintenant ce ballon pour Kebdani. La passe juste à hauteur pour Cook. Attention, plaquage de Berthezen. Cinquième et dernier tenu. On écarte maintenant ce ballon. Attention, la passe était un peu haute. On va revenir jouer. Coup de pied par-dessus. Un coup de pied transversal. Oh, attention à la réception. Il y a Busquin qui va volayer. Oh, le ballon récupéré. L'essai. Oh, c'est un essai marqué par l'équipe de Saint-Gaudens et par Claude Survert. Et c'est accordé, mais je crois que Thierry Alibert, l'arbitre de la partie, oui, a fait appel à l'arbitrage vidéo. Et les supporters de Saint-Gaudens qui sont venus, ils sont pratiquement 5000 à avoir fait le déplacement ici à Saint-Gaudens. Et ils ont applaudi évidemment cet essai. Alors, essai ou pas essai, Thierry Alibert, l'arbitre, a réclamé l'assistance de la vidéo. On va revoir ceci au ralenti. Il y a un coup de pied d'abord de Golder. Oui, la question est de savoir si sur cet essai, Claude Sirvin est parti ou pas devant le buteur, ou le joueur qui a remis la balle en jeu. Moi, à mon avis, cet essai est tout à fait valable puisque le ballon est remis en jeu. C'est Bowden qui est à la réception de cette balle. Il la remet à l'intérieur et c'est Claude Sirvin qui récupère cette balle pour aplatir. Alors, on va revoir ici. Hop, Russell Bussian qui c'est va Bussian, aller pardon. Intelligemment volayer ce ballon. Bien joué, récupéré par Claude Sirvin qui aplatit. Ah ben, c'est bon. On va attendre le verdict. Leur verdict, que dit l'arbitre? Ben, l'arbitre. Non, mais il l'a accordé. Thierry Alibert a accordé l'essai. 4 à 2. L'équipe de Saint-Gaudens vient d'inscrire le premier essai de cette première période. Et c'est accordé, ça c'est bien joué. Ah, c'est un essai à la Wishart. Hein. Ah, c'est une combinaison que nous aimons. Volayer la balle vers l'intérieur, vers les joueurs qui arrivent en soutien. C'est un très bel essai. Très belle conception tactique et surtout très belle réalisation technique. Alors la transformation, dommage pour Bowman. Le ballon n'est pas passé entre les barres, mais toutefois, eh bien, ces joueurs de Saint-Gaudens mènent 4 à 2 dans cette première période. Et Julien Rinaldi et ses coéquipiers ont à charge maintenant d'aller porter le jeu loin dans le camp de l'adversaire. Et on est content, hein, regardez, côté Saint-Gaudinois. Ah, c'est cette fameuse vague bleue qui est venue ici rejoindre la Méditerranée. Vague bleue qui est le nom de supporters, du club des supporters de Saint-Gaudens. En tout cas, ils toujours sont nombreux, ouais. Toujours fidèles. Alors ici quelques joueurs sur le banc de l'UTC. Et ouh là là, ça va pas l'air d'aller fort. On a vu Jacques Pacul avec Patrice Gomez. Et on a vu Russell Bowden qui pinçait son genou. Pas glop. Attention, ballon perdu. Non, pas de faute, pas d'en avant. Le juge d'un but était parfaitement placé. Oui, parce qu'aujourd'hui, à signaler, nous avons l'arbitre normal, plus les deux arbitres de touche, deux juges d'un but, un arbitre vidéo et un arbitrage au chronomètre qui est Richard Frédéric. Alors, Thierry Viguier, Brice Morel, Maxime Chirac et Honoré Frédéric. Donc voilà. Un staff d'arbitres très renforcé, aucune faute ne peut échapper aujourd'hui. Oui. Si on rajoute à ça l'arbitrage vidéo, ça fait beaucoup. Allez, ballon pour Jean-Christophe Borlaire, plaqué à l'intérieur de ses 30 mètres. Bonne défense de Saïd Tangarta, ça revient, attention, bien joué ce ballon. Perdu et récupéré, joué, dit l'arbitre, attention c'est dangereux. Nous étions sur la dernière portée de balle, oui.
Nous étions sur la dernière portée de balle, accrochage avec Kevin Cook, oui, parce qu'il voulait garder le ballon et Stephen Hall, lui, voulait le jouer très vite. Bon retour défensif de l'UTC. Oui, alors là, qui a été perdu, dommage. Il n'y a pas d'en avant, Rudolf, puisque cette balle est entrée en contact avec la jambe d'un joueur de Saint-Gaudens. Donc on a poussé vers l'avant. Donc tactiquement, l'essai a donné confiance à cette équipe de Saint-Gaudens qui s'installe chaque fois qu'elle attaque à l'intérieur du camp de l'UTC. Ouf, attention, le ballon pour Jamal Fakir, oh, c'est bien joué. Jamal qui a retrouvé le soutien avec le crochet, c'est superbe. Oh là là, ils ont du gaz, les joueurs, ouf, les joueurs de l'UTC. Oh là là, portée de balle de Matthew Hill, terrible à l'intérieur des 20 mètres maintenant, attention parce que là ça va débouler, les Sankeor qui vont orienter maintenant au milieu avec Rinaldi qui peut écarter pour Renaud Guigues, crochet intérieur de Guigues, le soutien est là, ça joue, toujours en mouvement, il n'y a pas d'en avant, le ballon pour Adel Felous, et Felous qui est plaqué par Brad Middlebosch à l'intérieur des 20 maintenant, la passe juste à hauteur pour le capitaine Aurélien Colony. Avec David Berthézen, c'est qui avait dernier tenu. Attention, le choix. Galiazzo, petit coup de pied de Galiazzo. Et il était sur la dernière portée de balle. Romain Galiazzo, le pilier de l'équipe de France. Ah, il faut reculer maintenant. Et le ballon revient à l'équipe de Saint-Gaudens. C'est reparti. Et il faut monter maintenant en défense. Avec Fourcade Abbas. Abbas, et c'est dur de plaquer Abbas. Et Aurélien Colony, malin, l'expérience de l'international. Il est venu le prendre très très bas. Car c'est ce qu'il faut pour prendre l'ailier de Saint-Gaudens. Oui, alors là, Rodolphe, nous assistons à une très grosse séquence de jeu où on a conduit la conservation de balle jusqu'au sixième tenu. On a fait deux tenues de transition. Le jeu est en continu. Donc, moment très intense dans ce match. Ah oui, moment intense et puis moment surtout extrêmement rude. Attends, ça c'est bien joué pour Servet qui s'échappe. Servet à la hauteur des 40, Servet à hauteur des 30, il a regardé, il a cherché l'information à droite à gauche, le soutien n'était pas là. Oh, il a été bien plaqué, quelle belle défense de l'UTC, qu'est-ce que c'était bien joué. Cette attention, on va pouvoir faire rebondir maintenant avec un peu plus d'angle là-bas, il y a un surnombre au bout. Attention, que faire de ce ballon, la passe à l'extérieur d'Armand, dommage, d'Armand du Lac. Aïe aïe aïe, quelle occasion pour Saint-Gaudens, ce ballon pour Thibaut Sur qui n'a pas trouvé preneur, c'est dommage. Regardez ici l'échappée belle de Claude Sirvin, il a 32 ans Claude Sirvin. Eh bien, des athlètes pareils à 32 ans, Louis. Oui, mais il a des jambes de 20 ans. Donc. Ah, des jambes de minime première année. Voilà, voilà. Il a du sang, Claude Sirvin, sur chaque portée de balle, il est tranchant. Quel match il nous avait fait à Pia. Oui, des minimes de champions de France d'ailleurs, de l'école de rugby de Catalan-Toulouse qui ont été présentés tout à l'heure pour leur titre sous la direction de Christian Mancarini et François Morales. Donc bravo à ces jeunes au même titre que ceux de Saint-Estève, des glorieux champions de France chez les jeunes. Et le ballon pour l'équipe de l'UTC. Oh, 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 terrible. Tel moustique qui s'écrase sur le pare-brise de la voiture, l'ancien Vive Allure. Le joueur de l'UTC s'est écrasé sur Jean-Christophe Bourlet. Alors là, attention, hein. Là, ça c'est du boulot. Ballon pour Frécilous. Frécilous, ouais, qui a croisé. C'est bien joué ça. Pour Adel Felous, cinquième et dernier tenu. Ah, il prend beaucoup de ballons, Adel Felous, sur les cartes Berthézen avec le coup de pied donné par Julien Rinaldi. Le coup de pied haut. Oh, attention, Adam Inès. Oh, qu'il était vicieux ce coup de pied. Récupéré. Oh, par Inès. Oh, 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 oh. Alors là, en défense, Louis, c'est du boulot. Oui, ça c'est pas de la petite bière, c'est pas un jeu pour les... Oh, c'est pas un jeu pour ceux qui ont des problèmes d'épaule, de côte ou de souffle. Oui, alors là c'est l'UTC qui est sanctionné pour avoir ralenti le tenu, donc très intéressant, pénalité très intéressante pour Saint-Gaudens. C'est un ballon qui permet aux Saint-Gaudinois de gagner beaucoup de terrain, de se dégager et de remonter jusqu'à hauteur de la ligne des 50 mètres. Donc attention, une série offensive très intéressante pour Louis, les Bleus. Louis. Oui, oui, Hervé. Et Pascal Jampi donc qui va effectuer sa rentrée, donc cela ne comptera pas pour un changement, voilà, parce qu'il avait 10 minutes de... Voilà, c'était sur injonction de l'arbitre pour saignement qu'il avait été, qu'il était parti se faire soigner, donc ça ne compte pas dans les changements. Oui. Le voici Pascal Jampi dans notre petite fenêtre. Allez, ballon pour Boitou Koulibaly qui vient de prendre ce ballon. Boitou Koulibaly qui ramène la balle à hauteur des 30. Allez hop, ça sort avec Bowman. Allez, on va travailler Cook, c'est bien joué ce ballon. Oup, la passe de Claude Sirver, dommage, les ententes avec Abbas. Oui, manque évident de communication. Claude Sirvin cherchait Abbas dans le couloir près de la touche alors qu'Abbas était rentré près de lui pour prendre la balle à hauteur. Donc
ça fait deux attaques en bout de ligne qui se terminent mal pour Saint-Gaudens. Bon, c'est une question de mise au point. Mais c'est moi qui donne si assainement ou pas, c'est pas l'arbitre. Oui, vous avez entendu Thierry Alibert, l'arbitre de la partie, qui dit c'est moi qui détermine s'il est sorti. Oui, il a raison. Il a raison. Oui. Alors, rappelons, hein, Louis, la règle des changements en rugby à 13. Pour ceux qui découvriraient cette discipline, il y a 12 changements autorisés dans la partie. Et bon, on en a déjà consommé quelques-uns, mais Hervé Guiraud, qui a son boulier compteur sur le bord du terrain, nous tiendra évidemment au courant du nombre de changements restants, car ça a son importance et ça pourrait l'avoir dans cette partie, qui pourrait aussi nous livrer pourquoi pas un final ébouriffant avec une prolongation. Ah, vous envisagez la chose que nous attendons tous. Eh oui, bah pourquoi pas. Non, pas le pire en tout cas, ou le mieux. Ah, c'est pas le pire, une prolongation, non, c'est pas le pire. C'est-à-dire que les choses ont été très serrées, très équilibrées, et qu'il faut du temps supplémentaire pour départager les deux formations. Et puis ça nous ferait des minutes de match en plus, c'est bien ça. Le ballon en hauteur de la ligne des 30, avec cette balle donnée juste à hauteur pour Jamal Fakir. Attention, démarrera du tenu. Hop, on va bien jouer Berthézel pour Fakir à nouveau. La cage terrible. Attention, Colony, c'est bien, les Catalans malgré la défense. Oh, attention, ballon récupéré, attention, la contre-attaque. Ouh là 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 là, que c'est dangereux. Ah oui, là, on a mis le joueur sur le dos, ça va être dur, pénalité à coup sûr. Et oui, on a ralenti le tenu. Les joueurs catalans sanctionnés. Thierry Alibert qui est très sévère en ce début de match. Et on aperçoit ici Steve Dickin, le coach de l'équipe de l'UTC. On revoit le coup de pied donné, contré par Boitu Koulibaly. Récupération d'Anthony Golder. Et il était temps de venir le prendre. Renaud Guigues ici au plaquage. Pascal Gentil. Oui, on a ralenti le tenu, c'est manifeste. Koulibaly qui porte ce ballon. Ouf, il est grand, il est solide. L'ancien joueur de Corbeil. Et Louis, ça me permet de faire une liaison heureuse avec des jeunes du club de Corbeil et de la cité des Tarterets qui ont été invités à la Garden Party de l'Elysée le 14 juillet. C'est deux joueurs du club de Corbeil, ils sont trois joueurs de Corbeil qui vont donc participer. Et c'est bien ça. Thierry Geoffrey, Julien Oblou et Fabien Briche qui vont participer à la fameuse Garden Party. Ils vont peut-être la présidence de la République, donc c'est un honneur pour tout le rugby à 13 français. Ils vont peut-être mettre leur maillot, allez savoir. Attention, ce coup de pied est long et Renaud Guigues qui a mis le pied en touche de but et il va concéder le renvoi sous les barres. Mais alors Louis, on est pratiquement à... Regardez, on va revoir ici sur ces images que nous propose notre réalisateur Ivan Baudenès. Parfait, bien vu, il a mis le pied sur la ligne. Renvoi sous les poteaux, on a presque atteint, Louis, la mi-temps de la première période, 4-2 pour Saint-Gaudens face à l'UTC. C'est un match qui est extrêmement serré évidemment au niveau du score, mais on peut se rendre compte en tout cas qu'en dépit des quelques fautes de main qu'on a vues dès l'entame à cause sans doute de la crispation des deux équipes, c'est quand même du sérieux. Ah, c'est du sérieux, c'est un match qui est quand même très riche tactiquement et techniquement. Et là, l'UTC, évidemment, la rigueur des contacts entre ces joueurs a de quoi surprendre les non-initiés. Mais c'est de la rigueur classique dans le rugby à 13 de haut niveau qui ne dépasse jamais les limites de la correction. C'est quelque chose de très propre. Et puis surtout, lorsque nous voyons ces équipes, le jeu varie beaucoup dans le sens de la longueur du terrain et de la largeur. Donc il faut une très grande condition physique qui s'appuie sur de grandes qualités tactiques et techniques individuelles. Ah oui, ces joueurs de Saint-Gaudens qui ont encore le ballon, ils tiennent la balle. Les joueurs de Robert Visca et de Russell Bussian. Et cinquième et dernier tenu, attention, voyons, Liboman qui va écarter ce ballon pour Anthony Golder. Golder, le ballon pour Cook. Cook qui va fixer, qui va garder. Cinquième et dernier tenu, il va essayer de libérer, mais on lui a bien pris les bras. Bonne défense, bravo, ça c'est bien joué. Défense intelligente de Saïd Tangark. Attention, on ne veut pas libérer ce ballon. Par ici, vous avez gardé le ballon, il y aura donc une pénalité. Oui, et là Thierry Alibert a raison d'insister et d'être très rigoureux sur cette séquence de jeu, puisque que ce soit le tenu ou les tenues de transition, tout joueur qui ralentit cette phase de jeu contribue à ralentir le jeu. Plein cadre ici, c'est le président du très soucieux club saint-gaudinois, le club de Saint-Gaudens, présidé par Jean-Alain Rive, que l'on a vu à l'écran, qui lui aussi, comme cette équipe de Saint-Gaudens, a un beau palmarès, parce que sous sa présidence, l'équipe de Saint-Gaudens a disputé un petit paquet de finales, les deux dernières notamment, finaliste l'année dernière, finaliste cette année. Ça c'est plutôt bien.
et pour cette équipe de l'UTC qui a déjà, hein, qui a déjà un titre de vainqueur de la Coupe de France. Ça serait l'occasion de faire un formidable doublé aujourd'hui sur cette herbe d'Aimé Giral, où il y a tant à faire pour ce public venu nombreux et qui est venu aussi en curieux, puisqu'il y a beaucoup de spectateurs qui sont venus découvrir le rugby à 13 à la faveur de cette rencontre. Beaucoup de touristes, Louis, parce que nous sommes évidemment proches des plages, pas très très loin, et beaucoup sont venus aujourd'hui pour continuer cette belle après-midi. Alors derrière l'UTC, vous apercevez le bouclier que l'on on l'a mis au repos aux champions de France, et on l'a mis au repos derrière le banc de l'UTC, cela dit. Oui, mais vous avez vu lors de la demi-finale, Bernard Gouache qui ne souhaitait pas s'approcher de ce bouclier en disant que peut-être ça ne lui porterait pas chance. Donc là, ça s'est fait à mon avis à l'insu de l'UTC. Alors là, une pénalité extrêmement intéressante. Alors là, Pierre Joker d'Oriola, le médaillé olympique des Jeux de Tokyo et d'Helsinki, qui a fait l'honneur d'assister à ce grand match de rugby à 13. Et donc, un sportif de un grand nom du sport qui nous a honorés. Je vois, et ça passe entre les poteaux. Jamais battu Laurent Frécilous sur ses coups de pied, comme vous du reste, lui jamais battu sur les Jeux Olympiques. Je sais que vous êtes un ardent défenseur de la cause de Paris 2012. Ah ben oui, il faut que nous soyons tous défenseurs. Et puis vous n'avez pas été battu là sur Pierre-Jean-Pierre d'Oriola, surtout sur les médailles d'or, effectivement, à Helsinki en 52 et à Tokyo en 64, si mes comptes sont bons. Oui, oui, vous avez raison. En tout cas, Laurent Frécilous. Alors, 2012, c'est Paris, la candidate. Regardez, Louis, qu'est-ce que c'est ça ? UTC, réunion UTC, OT. Ah ben, ça veut dire aller, ça. Ben oui. Ça veut dire aller, puisque, ah oui, ça nous permet de passer un bonjour très amical à tous les abonnés de Sport Plus qui nous regardent à la réunion. Et ils sont nombreux, vous avez vu les encouragements pour cette équipe de l'UTC. On nous regarde évidemment à la Réunion, mais aussi à Nouméa, où on suit avec beaucoup d'intérêt ce match. Et puis précisément, Louis, à la Réunion, à Boucan-Canotte, on regarde ce match où il y a une centaine de personnes qui suivent cette partie en direct aujourd'hui sur un écran géant. C'est bien ça? Ah ben c'est très bien. Et puis il y en a aussi sur tout le territoire national, avec un groupe important à Amiens, dont on parle, redémarrage d'une équipe de rugby à 13 à Amiens. Sébastien Munoz, le préparateur physique, qui a fait un long séjour à semer des graines là-haut, qu'ils sont en train de pousser. Préparateur physique de l'UTC, qui là, a la santé, hein, parce qu'il faut revenir maintenant. Ils sont menés, ils ont été menés, ils sont revenus à la faveur de ce coup de pied. 4 partout, les joueurs de l'UTC qui viennent maintenant défendre à l'intérieur des 10 mètres. Oh, plaquage de Matthew Hill. Solide le plaquage sur Thibaut Sur. Allez, ça démarre, au ras du tenu. Le ballon pour Adam Inès. Et la ligne de trois quarts, on a trouvé Arnaud Dulac et Claude Sirver et Fourcade Abbas. Là, il y a du talent pur sucre. Ouais, bien joué. Regardez Abbas comme il rebondit sur le défenseur. Arnaud Dulac qui a été incertain, il n'a pas joué ces dernières semaines. Et il joue peut-être aujourd'hui à 50%. Mais hier, lors de la conférence de presse avec les entraîneurs, Russell Bussian a dit cette chose très juste. Même avec un Arnaud Dulac à 50%. Mais je ne prendrai pas le risque de ne pas le mettre sur le terrain. Oui, mais puis Arnaud, c'est un régulateur, c'est un équipier qui donne confiance aux ses autres joueurs de l'équipe. Donc, c'est une pièce maîtresse du dispositif. C'est un joueur légendaire à Saint-Gaudens, comme tant d'autres, comme André Rive tout à l'heure, qui a donné le coup d'envoi. Le père de Jean Alain, international, la même au titre que René Petavi, d'autres entraîneurs de l'ancienne équipe des Catalans, des figures légendaires du sport. Qui ont donné ce coup d'envoi symbolique, qui sont là, ils sont nombreux aujourd'hui. Allez, ce ballon rendu à l'équipe de l'UTC. Sortie, longue passe pour Julien Rinaldi, Rinaldi pour Jean-Pino, on a sauté Jean-Pino, il a donné juste à hauteur ce ballon. Juste à hauteur pour Pascal Jean-Pino, Renaud Guigues. Attention, on a démarré, là le fermé, dommage, Felous qui a perdu le ballon. Et c'est pas perdu pour tout le monde parce que ça a été récupéré par Claude Sirvin qui, dans son couloir, fait bonne garde. Attention, Abbas. Abbas qui restait sur ses appuis. Et il faut vite le prendre, hein, Fourcade, parce qu'il est très rapide. Koulibaly. Bowman aura du tenu. Bowman, attention parce qu'il est parti dans le dos du défenseur. Ouah, Bowman qui s'est échappé, ballon perdu sur la libération de balle. Renaud Guigues plaqué par Richard Bell. On enchaîne là maintenant pour Saint-Gaudens. Il fait reculer cette défense. Monsieur Alibert, on est bien à 10 mètres, il n'y a pas de souci. Howlett.
Ouais, Phil Howlett qui a été plaqué. Ah, il y a des matchs dans le match extrêmement intéressants à suivre au niveau des centres en particulier. Ah oui, là il y a de quoi faire. Et au niveau du paquet d'avant aussi. Ah oui, là c'est de... Allez, ça s'explique sec. Jamal Fakir sur ses portées de balle, il fait mal. Attention, Frécilous, le crochet de Frécilous, c'est bien joué sur l'extérieur. Il y a 3 contre 2 à jouer. Wow, Fakir en force. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça va vite, Texido qui attendait le ballon, ça sort là maintenant. Oh, attention, Frécilous crochet. 4 partout, un peu plus de 25 minutes dans cette première période. Le 5e et dernier tenu avec Berthezen, petit coup de pied de Berthezen. Ça sera long et ça va sortir hors de l'air de jeu. Un match, Louis, qui se tend parce que là, on sent bien que sur chaque portée de balle, oui, parce bien, que, tout peut basculer. Parce que nous sommes, ce match se joue à un rythme très élevé, donc la moindre erreur est très lourde de conséquences. C'est la vitesse qui prime dans ce débat. Une vitesse qui s'appuie sur une variété de ces deux formations qui travaillent avec autant d'efficacité au ras de tenue, que ce soit en attaque ou en défense, et qui ont cette capacité à changer les formes de jeu. Très peu de jeux au pied pour l'instant. On voit les équipes qui conduisent les séries de tenues jusqu'au 6e tenue. Beaucoup de tenue de transition, ce qui veut dire qu'on veut jouer loin dans le camp de l'adversaire, qu'on veut essayer de conserver la balle au maximum, donner le moins d'arguments possible à son adversaire. Donc du très bon rugby à 13, Rodolphe, très très bon aujourd'hui. Kev Dani, le ballon donné juste à toi. Oh, c'est bien joué, beaucoup de match, attention, coupe à la tête de la passe, ça va aller au bout, et c'est un essai marqué, et c'est marqué par Claude Sirver et par Saint-Gaudens, El Goleador de Saint-Gaudens qui marque. Quel finisseur et quelle action, et la différence qui a été faite par Kevin Cook, le deuxième essai du match, est à mettre au crédit de cette équipe de Saint-Gaudens. Ah, il n'y a pas à dire, Louis, ils ont trouvé une carburation parfaite, ces joueurs des Ours, et là il vient conclure un très très beau mouvement qui a été initié, qui est parti de la passe de Kentani. Le ballon ici pour Golder, le bon appel de Golder pour Cook au milieu, une faute en défense, et là crac, la passe à l'intérieur, le centre en retrait du football, c'est formidable. C'est du classique, mais c'est du très bon, c'est bien réussi, ça paraît simple, c'est basique, mais c'est les principes même du jeu. Et puis à la sortie, les jambes encore une fois de Claude Sirvin. Ben, vous voulez mon point de vue, Rodolphe? Oui, je veux bien. D'ores et déjà, moi je pense que Claude Sirvin tient la corde pour le titre de l'homme du match, parce qu'il fait un match complet, efficace, deux essais au compteur, des passes décisives. Claude Sirvin aujourd'hui fait vraiment un très très bon début de match. Claude Sirvin qui avait manqué cette saison à cette équipe de Saint-Gaudens, eh bien il vient de permettre à cette équipe de marquer 4 points de plus. Allez, à charge pour Lee Bowman de passer les points de la transformation. Allez, Bowman concentré. Et ça passe entre les barres. Et voilà, Lee voit ça. 2 points de plus. Ça nous fait du 10 à 4. Et hop, la passe à l'intérieur, malgré le retour du défenseur de l'UTC. Et puis on peut, Louis, louer la vitesse et l'accélération de l'arbitre, monsieur Alibert, qui y était. Il y était pour aller suivre le joueur à aplatir balle en but. Robert Viscay, l'entraîneur de l'équipe de Saint-Gaudens. On a aperçu tout à l'heure sur le banc Jean-Christophe Bourlin et Russell Bussian, l'autre entraîneur de cette équipe de Saint-Gaudens. Ils sont en train peut-être de créer la surprise. 10 à 4. Ces joueurs du Comminges, le coup de pied est long. Récupération, pas de problème. Inès, on va aller envoyer Brad Middlebosch, dont Steve Dickin, l'entraîneur de l'UTC, dit que c'est un, sinon le meilleur pilier du championnat de France. Oui, il n'est pas très bavard avant les matchs. Oui, pour le moins, en tout cas dans son vestiaire. Oui, voilà. Il parle beaucoup, mais il ne veut pas qu'on entende ce qu'il dit dans son vestiaire. Ballon pour Fourcade Abbas, attention, Abbas qui rebondit. 1, 2, 3 joueurs. Allez, les appuis de ce garçon. Crac, une esquive extraordinaire. Vous avez vu le temps qu'il a fallu pour le mettre au sol. Il faut quand même se rendre à l'évidence. Attention, le petit coup de pied par-dessus le rideau. Attention. La réception. Oh, super, bravo. Ballon récupéré par Renaud Guigue. Oh, c'est magnifique. Oh, bravo Renaud Guigue, l'ancien Avignonnais qui ramène le ballon à hauteur ou presque des 30 mètres. Que c'est bien joué. Attention, parce que là, ça va dévaler maintenant avec Rinaldi qui attendait le soutien de Stephen Hall. Steve Hall qui va jouer. Hop, ce ballon pour Pascal Jampi. Oh, il est dur, il est sec à l'impact. Pascal Jampi, Berthezen à hauteur de la ligne des verts. Hop, la passe bien jouée de, attention, de Frécilous. Ballon récupéré. Oh oui, bien joué Lionel Texido. Lionel Texido qui a sauvé la situation. Ballon ramassé par Aurélien Colony avec Frécilous. Le ballon pour Berthezen.
Cinquième et dernier tenu. Avec Grégory Mounis. Attention à hein, Grégory Mounis. Cinquième et dernier. Coup de pied de Rinaldi. Attention, il est pas mal ce coup de pied. Il y aura du monde à la récupération. Pas de faute. Et le ballon qui est sorti. Et il devrait revenir selon toute logique à l'équipe. Qui fait un en avant. Donc on jouera les sixièmes. Oui, alors encore une fois, Rodolphe, un arbitrage qui contribue à sa façon à accélérer le rythme de cette rencontre, puisqu'on était entre le 5e et le 6e tenu. Donc on a ordonné un tenu de transition en lieu et place d'une mêlée qui est favorable à Saint-Gaudens. Donc nous assistons encore une fois à un changement de main qui s'appuie sur une variété du secteur offensif de l'équipe qui est en possession de la balle. Et à ce jeu, pour l'instant, Saint-Gaudens s'est créé beaucoup plus d'opportunités que l'UTC qui peut être patiente. Oui. Attends son heure, fatigue le système défensif Saint-Gaudinois, mais qui est quand même mené au score 10-4 après 32 minutes. Ouf. 32 minutes dans cette première période. Saint-Gaudens mène après avoir inscrit deux essais. Le coup du chapeau peut-être aujourd'hui pour Claude Servet. Ouf, ouais. Bon plaquage, belle défense de Jamal Fakir. Cinquième et dernier coup de pied de Nassim Kebdani. Oh, il est pas mal ce coup de pied de Nassim Kebdani. Oh, qu'il est vicieux ce coup de pied. Oh, qu'il est vilain ce coup de pied. Vous avez vu, Louis, le rebond juste à l'embut pour Renaud Guigues. Allez, il a du champ, Renaud. Et il a surtout des pattes, le garçon. Et il a surtout une ligne bleue qui se présente devant lui, donc qui l'empêche de gagner beaucoup de terrain et qui oblige les joueurs, nous les voyons, se replacer dos à leur adversaire pour se remettre dans le sens de la course. Saint-Gaudens qui est véritablement au sommet de la maîtrise de son jeu. Oui, ça ressemble, Louis, un peu, hein, parce que c'est peut-être pas, on n'est pas encore arrivé à l'état de perfection qu'ils avaient touché, ces joueurs de Saint-Gaudens, face à Pia en demi-finale au match aller. Ils avaient été à Pia. Attention, ils avaient été extraordinaires. Voilà pour Abbas. Oui, bien joué Abbas qui n'est pas revenu. Oh, bien joué Abbas qui était revenu remettre ses coéquipiers dans le sens. Ouh là là, attention, attention, il ne faut pas se trouver en défense côté catalan. Ballon pour Cook et on va démarrer maintenant. Ils sont bien, ils conservent bien la balle. Libération. Libération, ballon à l'intérieur des 10 mètres. On avance après cette belle portée de Lee Bowman avec Golder qui va envoyer pif au milieu. Ouais, Borlain qui a libéré. Dommage. Ah, dommage. Dommage cette transmission de balle pour Richard Bell. Et il y avait de l'idée. C'était bien joué parce que Bell était venu au soutien. Regardez, ping, Borlain dans les taux. Et pourtant, Borlain arrive à se débarrasser du ballon. Mauvaise transmission. Ah, Louis, c'est un drôle de match hein, pour cette équipe de l'UTC face à Saint-Gaudens qui vient de commettre une faute dommageable puisqu'elle rend le ballon à l'UTC dans ses propres 10 mètres. Oui, mais qu'on peut facilement excuser, Rodolphe, parce que ça s'appuie sur une volonté délibérée de construire le jeu, de libérer la balle, ces libérations qui font la qualité du rugby à 13 moderne d'envergure. Et puis ambitieux qui est produit par ces deux formations. On n'a pas l'impression du tout que ces équipes sont mobilisées par l'enjeu qui est très important. C'est le titre de champion de France. Une question d'honneur aussi pour l'équipe de l'UTC qui joue quasiment à domicile sur le terrain neutre du terrain de l'USAP, mais qui est en terre catalane ici, chez elle. Oui. Libération de balle, attention, oh là là là, attention, c'est un peu la panique dans la machine. Quelque chose, Louis, est en train d'enrayer cette machine. On ne sait pas de quoi il s'agit. Et alors, ballon perdu ou pénalité? Non, pénalité, a dit M. Alibert. On a ralenti le tenu. Ah, ça va faire du bien au Catalan. Il est intransigeant aujourd'hui là-dessus. Ça va faire du bien. Et il a raison parce que ça contribue à dynamiser encore plus le jeu. Ça va faire du bien au Catalan. Oui, on a ralenti le tenu, ballon perdu, un arrachage. Bref, c'était pas très propre tout ça. On a... Attention, pénalité. Aïe. Aïe, 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 il y a un joueur qui s'est blessé. Ouais, oui, un joueur sur le placage qui est blessé. Visiblement, Thierry Alibert alerte oui, il le secteur médical. Il a arrêté tout le monde intervient. Blessure sérieuse à la parade. Chrono arrêté. Elle est cassée, la civière. Aïe, elle est cassée, la civière. Ouh là 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 là. Mazette. Oh là là, oh là là, oui, 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 oui. Oh là là, mon Dieu, je ne veux pas regarder ça, Louis. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là, oh là là là. Ah, aïe, 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 Lee Bowman, oh là 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 là, affreux. Oui, oh. Un accident de jeu sur, aïe, sur ce placage. Aïe, 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 la cheville qui a, oh, qui a tourné complètement, qui a tourné à 180 degrés. Oh là 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 là, dommage, oh là là, c'est terrible, terrible image que de voir
cet homme à terre qui souffre. Et en gros plan, le président de la Fédération française de rugby à 13, Jean-Paul Ferré. Et au-dessus de lui, c'est Ivan Gressek. Aïe, 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 manager de l'équipe de France. Aïe, aïe, lui aussi qu'on a vu inquiet parce que... Oh là 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 là, image terrible de Lee Bowman qui, oui, à mon avis, s'est fracturé le... Oui, oui, bah c'est fracturé. Oh là là là, oui, ça s'est cassé. Aïe, il souffre, que c'est dommage, oui, pour ce garçon. C'est dommage. Alors, on va revoir ici l'impact. Bing, l'impact était rude et là, c'est en tombant. Ouais, aïe, aïe, oui, oui, oui. Ici, là, ah. Allez, n'en jetez plus, ça suffit. Oui, c'est-à-dire que c'est Jamie Zakir qui est tombé avec son épaule en porte-à-faux sur la cheville de Bowman. Donc, accident involontaire de jeu, très sérieux. Allez, on va vite l'évacuer. Et côté UTC, Bruno Cassani, Steve Dickin en discussion. Alors, tiens, on voit ici la solidarité des médecins des deux clubs avec Dr Philippe Roch, médecin urgentiste, médecin de l'UTC, qui va aider le joueur. Oui, c'est tout à fait normal. C'est un accident de jeu qui contrarie tout le stade ici, parce que involontaire sur un joueur qui participait à une très belle rencontre, un match très propre. Et c'est toujours assez désolant de voir des joueurs qui se blessent. Le jeu est dur, on le sait. Louis ? Oui, oui, Hervé. Je suis avec Jean-Alain Rive, le président de Saint-Gaudens. Jean-Alain, un coup dur pour votre équipe. Oui, effectivement. Bon, encore une fois, le mauvais sort s'acharne sur nous. Je crois que c'est une fracture ouverte de la jambe, comme on vient de me l'annoncer. Bon, c'est dommage, ça va, c'est une blessure qui va être préjudiciable parce que ce joueur produit un gros volume de jeu. Mais avant tout, c'est surtout la blessure qui me préoccupe. Bon, c'est vraiment triste. Merci, oui. Jean-Alain. Oui, parce que effectivement, merci Hervé. Oui. Parce qu'au-delà du match, hein, oui, du match du jour, hein, ça, bon. Très secondaire par rapport à la blessure. Oui. Rodolphe, le sport, c'est pas fait pour abîmer les gens, c'est fait pour qu'ils développent au maximum leur capacité. Un joueur qui sort sous les applaudissements du public unanime pour compatir à cette blessure. Et courage. Courage pour Lee Bowman, qui est un formidable joueur. Et ouais, donc il va aller quitter cette pelouse. Du stade Aimé Giral. Grande sportivité ici au stade. Allez, on va reprendre le. On va reprendre le jeu. Alors, Jamal Fakir. Et Jamal, il a un œuf de pigeon. Parce que les contacts sont rudes. Et peut-être du reste sur le contact avec Lee Bowman. Alors ça, effectivement, c'est une pièce maîtresse, le talonneur. Alors, comment va-t-on se réorganiser maintenant? Alors, peut-être va-t-on... Attention, ce ballon qui a été récupéré par Fressilous, accélération de Fressilous. Ouah, Fressilous qui a été repris en défense par Adam Inès. Attention, on enchaîne avec... Oh, cette balle prise par Lionel Texido. Et ils défendent maintenant devant leur ligne les joueurs de Saint-Gaudens, cinquième et dernier tenu. Et on écarte, Berthozen. Ballon pour Fressilous. Fressilous qui a conservé la balle, c'est bien joué. Et oh, l'ancien joueur de Villeneuve qui a perdu le ballon. Joué, dit l'arbitre, oui, il y avait un en avant, il a laissé l'avantage. Et ça profite à l'équipe de Saint-Gaudens. Alors peut-être, Louis, va-t-on se réorganiser avec Richard Bell au poste de talonneur? Oui, je pense que c'est la formule qui va être adoptée. Mais pour l'instant, cette équipe doit se réadapter très rapidement par rapport au coup moral qu'elle a encaissé. Bien involontaire, mais il faut qu'une équipe se remette par rapport à un coup dur comme ça. Je vous confirme, Louis, c'est fracture ouverte de la jambe pour Lee Bowman. Fracture ouverte. Écoutez, nous lui souhaitons évidemment tout ce qu'on peut souhaiter dans ces cas-là. Rapide rétablissement, qu'il nous retrouve rapidement sur nos terrains. Alors, 40 minutes, ne vous fiez pas au chrono parce qu'il y a eu 5 minutes. Il reste exactement, Rodolphe, excusez-moi, 5 minutes à jouer. Merci, Hervé. Alors, c'est Richard Frideux qui est responsable du temps additionnel dans cette première mi-temps, puisque c'est lui qui est responsable du chronomètre. Exactement, c'est le maître du temps aujourd'hui. D'accord. Nous avons donc Richard Frideux dans le rôle de Chronos dans notre tragédie du jour, qui pour l'instant profite à l'équipe de Saint-Gaudens, qui mène 10 à 4. Et le ballon est pour les joueurs du Comminges. Golder. Ballon pour Kevin Cook. L'Australien a été plaqué. Et coup de sifflet. Monsieur Alibert, qu'est-ce qui s'est passé? Et on chicane un peu, hein, sur les tenues, on ralentit, on tricote. Oui, mais tout ça n'échappe pas à l'œil très avisé de Thierry Alibert. Donc une pénalité, car Arnaud Dulac se dépêche
de transformer vers du gain de terrain. Donc une série de tenues offertes à hauteur des 20 mètres de l'UTC pour Saint-Gaudens dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps qui est passée quand même à une vitesse très rapide. Vitesse Grand V. W même. W, allez, l'éclair. Allez, ballon pour l'équipe de Saint-Gaudens avec Golder, le ballon qui a été transmis juste à hauteur. Et il avance encore un poids à l'Arnaud Dulac. C'est bien joué devant la ligne pour Jean-Christophe Borlet. Borlet qui avance. Ah, il faut être courageux. Il faut être courageux pour arrêter Borlet. Allez, les Catalans, faut défendre maintenant devant la ligne. Et regardez, Berthezen est à Géon dans les starting blocks. Sortie Kempdali. Ping. Oh, oh, oh. Alors là, oui. Il y a eu du contact. Oui, une notion de bloc qui a été visiblement très travaillée au niveau de l'entraînement. Oui, attention, la sautée, ce ballon pour Inès. Inès qui a gardé ses appuis, la libération de balle pour Cook. Cook, ouais, bien joué, on flotte, parfait. Avec, oh là là, plaquage haut. Plaquage haut. Ouf, plaquage haut, il est rentré avec vigueur. Regardez ici, Golder. Allez ici, plaquage haut. Oui, c'est ça, il t'engarde. Oui, un peu pris sur les appuis, un peu battu, c'est involontaire. Oui, battu sur le contre-pied. Cravate, réflexe, l'arbitre ordonne une pénalité. Alors, pénalité, qu'est-ce qu'on fait, Louis, dans ces cas-là ? Je pense qu'ils vont la tenter. Hein. Alors, plaquage haut, ouais, il est blessé, Anthony Golder. Alors, on va revoir ici, Louis, regardez, c'est intéressant cette action avec les joueurs qui sont allés percuter. Oui, il y a Texido qui a percuté. Ouais, bah, il joue un peu comme au billard. On se sert du joueur qui est devant la tenue pour bousculer le joueur qui est derrière. Donc, encore un saignement. Donc, saignement spectaculaire. L'arbitre va ordonner évidemment la sortie du terrain parce que les saignements sont interdits. Alors, donc voyons. C'est un remplacement qui ne sera pas compris dans la série des remplacements puisque c'est l'arbitre qui va ordonner la sortie du joueur. Ah, c'est dur, hein. C'est un match très très dur. C'est un sport dur, hein, très viril, temps. Très viril, Rodolphe, mais d'une très grande correction. Il y a un carton jaune aussi à Aurélien Coligny apparemment. Oui. Aurélien Coligny. Oui, oui. Je crois qu'il a écopé d'un carton sur l'action. Alors si oui, alors Aurélien Coligny ou Saïd Tangart. Parce que c'est pas Aurélien qui a donné ce plaquage. C'est peut-être Aurélien qui a été appelé en tant que capitaine. Ah oui, ah oui, bien vu Hervé. Oui. Et il y aura une pénalité, on a choisi de taper. Mais alors Liboman n'est plus là, mais Arnaud Dulac est un très bon buteur. Alors petit conciliabule pour attendre le tee. Autour du tee, on discute. Et Aurélien Coligny, il est sur le terrain. Aurélien Coligny, c'est donc Saïd Tangart qui a dû prendre un carton. Confirmez-moi Hervé. Oui, firmez-moi. Oui, oui, Rodolphe, c'est bien Saïd Tangart qui se repose sur le banc. Autant pour moi. Et c'est Aurélien Coligny qui avait été appelé en tant que capitaine, je pense. Ouais, c'est-à-dire il y a eu un moment de confusion avec des décisions extrêmement rapides de Thierry Alibert. Alors, nous suivions évidemment l'actualité sportive, le fait majeur de savoir si cette pénalité allait être jouée à la main ou tentée d'être transformée. C'est le choix qui est pris à moins d'une minute de la fin du temps additionnel de cette première mi-temps. Allez, Arnaud Dulac. Allez, Arnaud Dulac. Oh, ça a passé à côté. Voilà. Oh là là là, dommage pour Saint-Gaudens, tant mieux pour l'UTC. L'UTC qui n'est plus mené que 10 à 4 alors qu'il ne reste pas grand chose à jouer dans cette fin de première période. Et il reste quoi, une trentaine de secondes tout au plus à disputer dans cette finale du championnat de France de rugby à 13. 10 pour Saint-Gaudens, 4 pour l'équipe de l'UTC. Julien Rinaldi qui va renvoyer le jeu. C'est long, c'est bon, c'est récupéré à hauteur des 20 mètres. Allez, la défense qui va pouvoir se réorganiser maintenant. Attention, parce que cette équipe de l'UTC, Louis, on connaît sa qualité. Elle est constellée d'internationaux. Elle peut réagir. Attention, ballon perdu. Récupéré par Roulette. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé là sur l'action? Oui, l'arbitre avait déjà signalé une position d'hors-jeu qu'il sanctionne. Donc, ce qui permet de comprendre pourquoi Roulette était sur le porteur de balle en anticipation. Donc c'est une pénalité qui va permettre encore à Saint-Gaudens de passer loin dans le camp. Tout à fait. Donc comme vous voulez. Ah oui, la pénalité a été, vous avez entendu ce qu'a dit Thierry Alibert, la pénalité a été différée. Voilà, parce que Richard Filleux a sonné la cloche à la mi-temps. Donc Thierry Alibert fait jouer la pénalité. Ben, il a raison, parce que bien la sûr. Pénalité doit arriver à son terme. Donc la décision qui est prise, c'est une décision très importante. Nous sommes dans les arrêts de jeu et la pénalité va être tentée. Alors ça veut dire qu'à la fin. La corne a sonné. Alors, donc à la fin de cette action, eh bien on arrête tout et on va au vestiaire. On va au vestiaire, exactement. Mais il faut attendre que ce coup de pied soit parti.
Alors. Bien vu, Louis. Merci, Hervé. Je vous trouve bien condescendant. Est-ce que vous auriez quelque chose à vous reprocher aujourd'hui ? Ah non, 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 Rodolphe. Je prends un grand plaisir à cette partie. Ah ben, comme nous tous. Alors, d'ailleurs. Coup de pied quand même monumental, 50 mètres. À droite du terrain, oui. À 10 mètres de la ligne de touche, même pas. Oui, c'est dommage hein, pour. Attention, c'est un exploit s'il passe ce coup de pied. Allez, c'est un exploit. C'est parti, c'est parti. Il est pas mal ce coup de pied de Dulac, il est pas mal. Ah, il va mourir devant les poteaux. Non, il meurt devant les poteaux et on va aller jusqu'au bout de cette action. Avec un coup de pied, tant que le ballon est en jeu, voilà, on peut jouer. On peut jouer. On peut jouer. Alors. Donc nous sommes dans les arrêts de jeu là. Attention, parce qu'on sait jamais, on sait jamais. Le ballon toujours vivant. On va le conserver jusqu'à ce plaquage. Voilà. Et voilà. Et voilà, on va au vestiaire. Ouais, c'est terminé. Fin de cette première période sur la marque de 10 à 4 en faveur de Saint-Gaudens dans cette finale du championnat de France de rugby à 13. Ah, une première période, Louis, où on se sera régalé, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, on se sera régalé avec deux équipes qui se sont livrées à fond, même si on a eu malheureusement une blessure grave à déplorer, un joueur qui sur un accident de jeu s'est fracturé la cheville. Et bien ces acteurs nous ont proposé une belle partie. On a vu du jeu très rigoureux, mais on a vu aussi toute la folie de cette ligne de trois quarts saint-gaudinoise avec un finisseur comme Claude Sirvin qui ne fait pas mentir sa réputation. Alors Claude Sirvin qui est à la hauteur de son palmarès aujourd'hui et qui à mon avis réalise là une de ses meilleures prestations dans un match d'un niveau aussi relevé que les sept finales. Nous allons retrouver Hervé Guiraud qui est aux côtés d'Arnaud Dulac, le capitaine de Saint-Gaudens. Exactement Rodolphe. Arnaud, votre équipe a avancé constamment dans l'axe central en cette première mi-temps et a posé de sérieux problèmes à cette équipe de l'UTC. Ben, c'est sûr, on essaye de donner du jeu, de jouer vite. Et dès qu'on joue vite dans ce sport, on voit qu'on avance facilement. Maintenant, il faut continuer, gommer nos quelques plaquages manqués pour continuer à scorer, à éviter de marquer les points. Merci Arnaud. Oui, c'est clair. C'est clair. Clear. Très lucide. Crystal clear. Très lucide. Arnaud Dulac, le capitaine de l'équipe de Saint-Gaudens. Les joueurs sont rentrés au vestiaire. Nous allons, quant à nous, marquer une petite pause. Le temps de tourner une page de pub. Petit tour par Paris. Et on se retrouve ici, en terre catalane, à Perpignan, pour la deuxième mi-temps de cette finale du championnat de France de rugby à 13. Restez avec nous. À tout de suite. Nous sommes de retour au stade Aimé Giral de Perpignan pour la finale du championnat de France de rugby à 13 2004 entre l'équipe de l'UTC et l'équipe de Saint-Gaudens. Nous avons vécu, Louis, une belle première mi-temps, il n'y a pas d'autre mot. Nous avons eu des essais, une très belle, très indécis, un spectacle de qualité, une blessure grave qui a contrarié un peu tout le monde, même très sérieusement, mais véritablement un très beau match. Ah bien justement, Louis, ça tombe bien. Qu'est-ce qu'on a eu en première mi-temps ? Eh bien, nous vous avons recalé les essais de cette première période. Un coup de pied donné par Anthony Golder qui est dévié par Russell Bussian et c'est le grand trois quarts centre Claude Sirvin qui récupère ce ballon. Regardez un peu ici, si c'est bien affusté ce coup de pied. Oui, mais c'est surtout la cohésion de ce collectif saint-gaudinois que nous voyons là. Le joueur ne se pose pas de questions, il renvoie la balle vers l'arrière, il a senti ses coéquipiers présents, ça atterrit dans les bras de Claude, ses jambes évidemment font le reste. Ça c'est un essai parti de très loin aussi. Regardez la contre-attaque, la réaction de cette équipe de l'UTC. Oui, immédiate. Et Steve Deakin qui voit son équipe réagir mais qui ne parvient pas à marquer dans ce premier acte. Et bien regardez ici, 27e minute, le ballon donné par Golder pour Cook. Cook qui traverse la défense, la passe à l'intérieur, rien à faire pour Renaud Guigue, passe intérieure pour Claude Sirvin qui marque un doublé dans cette première mi-temps. Ah ça c'est formidable. Alors ça Rodolphe, c'est un essai dominé par la technique individuelle. La justesse des décisions, l'adaptation aux situations de jeu et puis surtout le geste technique parfait qui conclut les séquences de jeu. Alors jusqu'ici tout va bien. Pouf, le contact est rude pour l'équipe de Saint-Gaudens, tout va bien. Aïe, mais tout va bien jusqu'ici, jusqu'à cette blessure, terrible, terrible blessure pour Lee Bowman, le talonneur de l'équipe de Saint-Gaudens, victime d'une double fracture du péroné. Ouais.
Oui, c'est méchant, involontaire, mais c'est un accident de jeu. Et nous avons pu quand même constater sur cet accident la grande solidarité du stade. Les équipes médicales des deux collectifs se sont soudées, ont été unies sur cette situation. Et la communion du public qui a salué ce joueur lorsqu'il est sorti du terrain sous les applaudissements à la fois du public, de ses coéquipiers et de ses adversaires. Et du coup, fort dans ce match de solidarité sportive. Du coup, Louis, ça va peut-être contrarier l'équipe de Saint-Gaudens pour la deuxième mi-temps. 10-4 à l'issue des 40 premières minutes et les acteurs sont déjà prêts à revenir en scène. Les arbitres, eux, sont déjà là. Il ne manque plus que tiens, on aperçoit le président Bernard Gouache au second plan. Il est peut-être venu motiver ses troupes avant de revenir sur cette herbe du stade Aimé Giral. 10-4 à la pause. Alors c'est un match, Louis, qui n'a pas donné son verdict. 10-4 loin de là. Avec une équipe de Saint-Gaudens, oui, qu'on a vu très à l'aise, notamment derrière lorsqu'elle arrive à jouer ses ballons. La paire Sirvin Dulac a fait mouche par deux fois. Anthony Golder derrière qui manœuvre tout ça. C'est léché et on peut surtout, Louis, préciser que ces joueurs de Saint-Gaudens jouent ensemble depuis un bon petit moment. Ils s'entendent très bien et que c'est peut-être ce qui peut faire la différence sur un match comme celui-ci. L'homogénéité du groupe, c'est la grande force de ces ours de Saint-Gaudens. Et peut-être n'a-t-on pas encore réussi à faire cet amalgame côté catalan. Ah, je crois que les objectifs des deux formations sont identiques, évidemment, dans le cadre de la finale, puisque tout le monde veut remporter le titre. Mais derrière, il y a deux stratégies de clubs complètement différentes. L'UTC est en train de se préparer pour son entrée en Super League, de travailler sur les bases de collectives pour accéder à ce niveau de la plus haute compétition, de ce plus haut niveau de compétition en Europe. Alors que du côté de Saint-Gaudens, c'est le pari d'un match, le pari de la finale. Il n'y a pas pour eux de perspective à très long terme, si ce n'est une grande solidarité pour renverser cette montagne qu'est l'UTC. L'UTC qui était grand favori dans ce match. Deuxième mi-temps de cette finale du championnat de France de rugby à 13 2004. L'équipe de l'UTC face à Saint-Gaudens. L'équipe de Saint-Gaudens mène ici au stade Aimé Giral de Perpignan sur la marque de 10-4. Le renvoi va être effectué par les ours du Comminges. Ces ours menés par Arnaud Dulac autour de Nassim Kebdani, de Boitou Koulibaly. C'est parti. Coup de pied et récupération pour Julien Rinaldi. Allez, à charge pour Aurélien Colony. Ah, oh, de prendre ce ballon. Plaquage un peu haut sur Aurélien. Plaquage groupé. Et en voyant ce plaquage haut sur le renvoi, ouais, il est haut, Brad Middlebosch. Trop haut. Et il y aura donc une pénalité. Alors, on plaque plus bas, a dit. Oui, en fait, c'est un avertissement sans frais. Oui. Alors, il y a un carton jaune hein, tout à l'heure donné à Saïd Tangart pour un plaquage un peu haut. Du coup, ben, ils sont à 12 contre 13, les joueurs de l'UTC. Et apparemment, la pénitence n'est pas terminée pour Tangart. Ballon à hauteur de la ligne des verts. Oui, puisque c'est intervenu dans les arrêts de jeu de la fin de la première mi-temps. Donc, ballon pour Texido qui a laissé échapper la balle. Dommage. 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 Attention. Aïe, 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 aïe. Il y a peut-être eu un arrachage de balle. Et oui, arrachage de balle. Il va y avoir un carton jaune. Oui. Ah, voilà, voyez, ça n'échappe pas à la sanction. Eh oui, arrachage de balle. Kebdani venait d'être averti sur le plaquage précédent. Donc là, il n'échappe pas à la sanction. C'est l'expulsion temporaire, carton jaune, pour plaquage haut. Pour Saïd Tangar, il lui reste encore 7 minutes à plonger. Ouais. 7 minutes, d'accord. 7 minutes, merci Hervé. 7 minutes pour Tangart et 10 minutes pour Nassim Kebdani qui sur ce plaquage a mis, oui, c'est vrai. Bien vu, monsieur Alibert, le plaquage est un peu haut. Trop haut même. Et oui, mais c'est surtout qu'il est récidiviste. Alors, 10-4 pour l'équipe de Saint-Gaudens face à l'UTC. Julien Rinaldi choisit de jouer loin dans le camp de Saint-Gaudens. Allez, les Catalans qui ont une bonne occasion avec le solide Lionel Texido qui a retrouvé toutes ses facultés. Ballon en hauteur de 20 mètres. Ah, attention, oh là là. On n'était pas à 10 mètres, reculé, dit l'arbitre. Ballon pour Julien Rinaldi et Laurent Frécinous. C'est Frécinous qui a ce ballon en main. Rinaldi qui l'a appelé. Non, ça sera pour Jamal Fakir au ras du tenu. Oh là là, il est solide, Jamal. Mais là,
1, 2, 3, 4. 4 joueurs pour faire reculer le solide seconde ligne de l'UTC. Le ballon juste à hauteur. Ping. Oh, ah, c'est l'épreuve de force là. Oh là 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 là. Là, il y a un duel de papa. Sorti, Berthezen avec Fresinus. Longue passe vissée pour Rinaldi. La passe au bien joué. Rinaldi qui a conservé le ballon. C'est bien vu pour Filolette. Attention parce qu'on n'a pas vu pratiquement de la première période. Le ballon pour Stephen Hall. Libération de Hall pour Grégory Mounis qui va revenir dans le fermé. Mounis. Ouais, Mounis toujours debout. Attention à Mounis. Attention à ce garçon. Il est plaqué par Bell et par Borlain. On écarte Berthezen, le ballon pour Pascal Jampi. Allez, Pascal qui a passé l'épaule. Pascal qui se retourne. L'expérience du second ligne de l'équipe de France. Le joueur le plus capé. Attention, Colony. Deuxième joueur le plus capé de l'histoire du rugby à 13 français. Coup de pied de Fresinus. Et alors, bien joué. Bonne garde faite par Adam Inès. Bonne garde. Oui, Bonnegarde qui réussit quand même à éviter le renvoi sous les poteaux, mais le pressing catalan est très fort. L'équipe de Saint-Gaudens est cantonnée dans ses 10 mètres, le dos à sa ligne de but. Elle n'arrive pas à sortir de cette situation extrêmement dangereuse. Bell aura du tenu, bien joué. Il a réussi à s'échapper de cette étreinte. 10-4, Bussian. Ouais, qui a envoyé, bien joué. Arnaud Dulac, cinquième et dernier. Allez, cinquième et dernier, que faire de ce ballon? Coup de pied de Bussian, coup de pied. Aïe aïe, qui va sortir directement. Ah, oui. Ah, voilà. Complètement dévissé le coup de pied, tandis que Anthony Golder s'est fait soigner. Soigner la lèvre blessée tout à l'heure sur ce plaquage. Oh là, il y a du monde. Il y a du trafic. Oui, un point réglementaire, Rodolphe, pour ceux qui découvraient l'activité. Lorsqu'on tape directement en touche entre le cinquième et le sixième tenu, il y a tenue de transition au point de départ du coup de pied, tout simplement pour éviter ce coup de pied volontaire qui peut être interprété comme volontaire pour mettre la balle hors des limites du terrain après le cinquième tenu. Ballon à hauteur des 20 mètres. Attention, balle à l'extérieur. C'est pas mal ce qu'ils ont fait avec Stephen Hall. Ouais, on enchaîne, c'est bien ça. Ouf, attention, oh là là, ce plaquage est terrible. Ouf, Rossel Bussian qui est arrivé en travers sur Grégory Mounis. Allez, sur le fermé là-bas, c'est bien joué. Oh, bien joué Aurélien Colony. Le coup de pied assuré de Colony. Et ballon récupéré. Récupéré dans son en but. Et on va concéder un renvoi sous les poteaux. Ah, il est bien le coup de pied d'Aurélien Colony. Oui, Hervé. Et je suis aux côtés du docteur Philippe Roque qui me signale qu'il a beaucoup de travail. Là, il vient d'effectuer, de mettre plus de 10 points sur le visage de Golder, le demi de mêlée. Aïe, 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 décidément. Donc, décidément. Ah, c'est dur. C'est un duel de papa, comme vous disiez tout à l'heure, Rodolphe. Alors, 10 points sur la lèvre d'Anthony Golder et 10 points au tableau de marque pour l'équipe de Saint-Gaudens. 10-4, le ballon rendu à l'équipe de Saint-Gaudens. Attention, on va envoyer Aurélien Colony, ping au plaquage. Oh là là. Ah, il est solide, Aurélien, face à Jean-Christophe Borlain. Ballon pour Berthezel. Oh, qui a été. Oh. Sévèrement plaqué par Koulibaly. Le ballon pour Mounis. Mounis, ah, il y a la pression. Mounis, ça défend bien. Côté Saint-Gaudinois, ballon pour Hall. Mais attention à cette machine catalane. Parce que des joueurs de talent, il y en a dans cette UTC. L'UTC qui a réuni les clubs du 13 catalan et de Saint-Estève. Ballon pour Renaud Guigue, quatrième tenue. Berthezen, vite, il veut jouer ce ballon dans le fermé. Ah, il a été dévié ce ballon. Et joué, dit l'arbitre. Et il y aura un en avant. Et oui, il y aura un en avant. En avant, et la mêlée qui va revenir à l'équipe de Saint-Gaudens. Vous oui, passage difficile, Rodolphe, pour cette formation saint-gaudinoise qui est très courageuse parce qu'elle assiste à une attaque bien organisée, forte, puissante de l'UTC. C'est une équipe qui n'a pas réussi à sortir depuis le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps de l'intérieur de ces 20 mètres. Donc, situation très compliquée à gérer et difficile pour Saint-Gaudens. Est-ce que les Bleus, les Ours vont-ils sortir intacts de cette séquence? Oui, parce qu'elle est probablement. C'est toute l'interrogation, l'épreuve de force qui continue, la défense qui est de plus en plus forte et de plus en plus près de la ligne de but de Saint-Gaudens. Donc on voit Fourcade Abbas ici qui vient relayer son paquet d'avant très courageusement. Chacun apporte sa pierre à l'édifice pour reconquérir du terrain, repartir loin de sa ligne de but et se mettre à l'abri des attaques de l'UTC. Donc séquence de jeu très 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 forte à supporter pour Saint-Gaudens. Ah, là c'est dur, hein. C'est dur, ces contacts. Vous avez vu Borlain qui a été pris par ce mur blanc, ce mur catalan.
ce mur blanc, sang et or, les couleurs catalanes aujourd'hui dans ce stade Aimé Giral qui flotte, vous le voyez, à hauteur de la ligne des 40. Et là, il va falloir accélérer. Oh, ouais. La cage sur Richard Bell, cinquième et dernier. Attention, ballon ramassé derrière le tenu, coup de pied long, et ouais, coup de pied long d'Anthony Golder, et coup de pied intelligent du maître à jouer, tandis que Saïd Tangart. Saïd Tangart, voilà, exactement, Rodolphe, j'avais annoncé qu'il effectue sa rentrée, donc 13 joueurs pour l'UTC en ce moment, contre 12 dont pour Saint-Gaudens. Allez, l'infériorité numérique maintenant, pour l'équipe de Russell Bucian et de Robert Viscay. Les joueurs de Steve Dekin ont donc cet avantage numérique. Sortie de Rinaldi. Le ballon justement pour Saïd Tangart. Allez, Saïd qui a libéré. Oh, ballon perdu avec Bucian. Attention, la passe. C'était contre-attaque. Bonne défense. Oh, qu'il était bien revenu. Matthew Hill. Attention, avec Koulibaly maintenant. On va faire redonner. Ouf, on va faire redonner les fantassins. Pourquoi, Louis ? Le fameux esprit fantassin n'a pas disparu parce qu'on se sacrifie. Ballon pour Cook. Cook plaqué par Jean-Py. Et troisième, lâché, il faut lâcher. Oui, bien joué, Golder dans le sens. On va aller chercher. Oh, bien joué, Borlel, la passe. La passe. Ouais, mais là c'est dur, hein, c'est dur. Il faut serrer ce ballon sur l'impact. Il faut le serrer. Écoutez, Rodolphe, je suis admiratif dans la capacité de réaction de cette équipe de Saint-Gaudens qui a culé pendant plusieurs de longues minutes. Et là, est en train d'attaquer, d'inquiéter l'UTC près de sa ligne de but. Cinquième et dernier tenu, peut-être un drop pour passer un point de plus. Sortie, ouais, peut-être, non. Cook, avec la passe juste à hauteur. Attention, ce sont des munitions gaspillées. Aïe, 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 manque de rigueur un peu là sur cette action. Oui, mais Rodolphe, regardez, les joueurs sont quand même en phase de récupération parce que nous venons d'assister à des séquences de jeu. Attention, ballon perdu, récupération pour Borlaug. Ah, ballon perdu par Howlett. Oh, aïe, 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 qu'est-ce que ça devient là, ce match? Ça devient une histoire de fou. Le ballon rendu pour Bucian. Bucian plaqué. On n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne. Oh là, attention, accrochage. On a ralenti le tenu. Oui, on a tenu. Et alors, attention, oh là là, parce que Rodolphe, Arnaud Dulac est venu très vite dire à Thierry Alibert, je veux tenter les deux points, je veux tenter la transformation. Et on aperçoit ici Lionel Garrigue à gauche de l'écran, aux côtés de Gilles Dumas. Et on revoit ici le plaquage. Oui, c'est un plaquage tout à fait régulier de Richard Bell. Bien joué, bon plaquage. Un contre un, tactiquement bien vu. Il fait perdre la balle, il récupère sur. Et là, vous avez vu, oui, c'est Aurélien Colonie qui a tenu le pied du joueur Saint-Gaudinois. Et là, attention, parce que Jean-Christophe Borlain, c'est aussi un des buteurs attitrés de l'équipe de Saint-Gaudens. Alors, ce pilier va tenter de passer la pénalité. Rodolphe, oui, Hervé. À vous signaler cette équipe de l'UTC qui vient de perdre 4 ballons dans les 10 minutes à la reprise de la seconde mi-temps, autant qu'en première mi-temps. Oula. Donc elle rend beaucoup de munitions à cette équipe de Saint-Gaudens. Oui, 4 ballons tombés en 10 minutes, c'est assez rare pour cette équipe. Oui, c'est très rare, c'est une statistique qui permet de comprendre que pour la première fois, dans cette finale, il y a une équipe qui peut se détacher avec plus d'un essai d'écart transformé entre les deux formations. Ce qui veut dire qu'à 12 à 4, déjà Saint-Gaudens est à l'abri d'un essai transformé. Alors, c'est très important, très très important cette transformation. Allez, Jean-Christophe Borlaug. On s'est pas passé. Oh là là là. On s'est passé à côté. Ouh là là là. Là, oui. Ça c'est le mental, Louis. Ah oui, c'est oui. Le mental là, qui là fait c'est une. Bon, on ne peut pas reprocher aux joueurs de ne pas avoir réussi le coup de pied, mais c'était la première opportunité sérieuse pour une des deux formations. Allez, attention à la contre-attaque maintenant. Menée par Saint-Gaudens. Attention parce que là ça va démarrer très vite pour les Catalans avec Berthezen. Allez, vite, attention parce qu'il s'est fait oublier derrière le tenu David. Attention à lui, c'est un client. Ouais, bonne défense. On avait bien anticipé sur Pascal Jean-Py. Allez, Frécinous, il le sait, Laurent Frécinous, après pratiquement 12 minutes en deuxième période, il sait que c'est le moment de mettre un coup d'accélérateur pour ces Catalans qui sont en supériorité numérique. Ne l'oublions pas. Cinquième et dernier tenu. Berthezen. Eric Berthezen qui écarte ce ballon pour Julien Rinaldi. Coup de pied de Rinaldi, c'est profond. Oh, il est pas mal ce coup de pied. Oh, qu'il est joli ce coup de pied. Et il va pas sortir. Et Inès qui l'a ramassé. Et Inès, ouais, qui va concéder le ramois sous les poteaux. Quel joli coup de pied donné par Julien Rinaldi. Et il n'est pas content, Inès, parce qu'il a bien compris
que ce coup de pied n'allait pas lui faire du bien à Rodolphe. Oui. Et Kebdani qui effectue sa rentrée. Donc 13 joueurs des deux côtés. Ça y est, on est revenu à l'égalité parfaite sur le terrain numérique. Merci Hervé. Alors Inès n'avait pas d'autre choix, Rodolphe, que de récupérer cette balle parce qu'elle est allée mourir à quelques centimètres de la ligne de balle mort. Il n'avait pas d'autre choix. Ou lui-même l'a poussé, il a essayé de sauver cette balle, mais il n'a pu éviter le renvoi sous les poteaux qui rend à nouveau le ballon à l'UTC. Et on voit ici, hein, c'est pas facile parce que la chasse... Ah non, il n'avait pas d'autre possibilité. Et il avait un maître chasseur en la personne de Saïd Tangart. Un chasseur qui était frais. Oui. Le ballon en hauteur, ping. Oh, Romain Galiazo, Pascal Jampi, on a fait donner les solides en première période et en deuxième mi-temps, ça continue avec Berthezen. Oui, bien joué à l'extérieur. Ah, dommage. Aïe, 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 ballon perdu, dommage. Ah, pas on de va chance. Revenir à la première faute, Rodolphe, qui est favorable à Saint-Gaudens. Donc, un peu de déconcentration, d'énervement du côté de l'UTC qui bute effectivement face à cette très bonne défense de Saint-Gaudens. Donc, est-ce que le doute est en train de s'emparer de la grande UTC? Ah, on va voir. En tout cas, ah, c'est dommage. Regardez la passe de Jean-Pi. Ah, dommage pour Saïd. Aïe, aïe, aïe. Dommage pour Saïd Tangart. Et encore une occasion perdue pour ces joueurs catalans qui laissent effectivement beaucoup de ballons en route, comme nous le signalait Hervé Guiraud tout à l'heure. Ballon pour Abbas. Il a perdu ses appuis. Il est plaqué par Jamal Fakir qui en a perdu sa chaussure. Ballon pour Dulac. Alors 10-4. Ouais, 10-4, ça fait. Oui, il faudrait marquer deux essais pour l'UTC, mais enfin un essai. Attention, oh, bien joué, Abbas. Abbas dans son rôle favori. Celui du culbuto. Bah, écoutez, Rodolphe, dans cette séquence de jeu, il est intervenu deux fois au départ de la série de tenues et là sur le troisième. Donc, Fourcade Abbas qui vient contribuer, qui quitte sa position. Allez, ping ici. Et qui est monté au niveau du paquet d'avant. Ah, il est fort du coffre. Hein. Fourcade Abbas, c'est quand il serre les ballons. Et puis, il y a intérêt de se baisser, sinon, pour lui faire échapper la balle. Enfin, en tout cas, il a perdu le ballon sur l'impact. Et la mêlée est rendue à l'équipe de l'UTC avec Rinaldi Fressimus. Maintenant, le ballon pour Ologui qui s'était intercalé dans la ligne de 3 quarts avec Hall. Attention, il a l'expérience des grands matchs de Super League. Stephen Hall avec Tangart qui sort cette balle à hauteur de la ligne des 40. Berthezen. Allez, on va faire donner les joueurs comme Pascal Jampi. Il a été gêné pour jouer ce tenu. Il va y avoir une pénalité. On va sanctionner. Voilà, le joueur est plaqué. Vous gênez la réalisation du tenu. Ici, le plaquage de Mathias Vigneault et de Nassim Kebdani. Et oui, on a gêné. Pendant qu'il était en train de se relever, on est venu empêcher la réalisation du tenu. C'est la pénalité inévitable. Donc voilà, ce qui était favorable tout à l'heure à Saint-Gaudens le devient pour l'UTC qui va réduire l'écart. 6 avec un essai transformé tout à l'heure pour l'UTC. C'est le calcul que l'on fait. Deux points d'avance possible. L'Union Trésiste Catalane qui va tenter de revenir là. Dans cette partie, grâce à Laurent Fressinous, son demi d'ouverture. 10-4 pour revenir à 10-6 à hauteur effectivement d'un essai. Attention que cette finale, Louis, est serrée entre ces deux équipes. Rappelons-le, elles se sont rencontrées deux fois, ces formations, pendant la saison. Quatre fois, deux fois dans la phase régulière, deux fois en play-off. Et on est à deux partout. C'est la belle, on l'a dit. C'est la belle. La belle à Aimé Giral. Coup de pied de Fressinous. Ah, et là, la différence de Saint-Gaudens. Le ballon qui passe entre les barres. Et ça va permettre à l'équipe de l'UTC de mieux respirer. Oui, l'UTC qui n'a marqué pour l'instant que trois coups francs, qui n'a pas réussi à passer le rideau défensif. Allez, remise en jeu, nous voici rendus maintenant à 10-6. 10-6 pour Saint-Gaudens face à l'UTC. Dieu, Louis, que c'est serré. C'est très serré. Et c'est sérieux. Tangart. Allez, ballon en main. Oh. Oh là 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 là, allez, c'est caramel là. Distribué. Attention, faut pas gêner la réalisation du tenu. Et Arnaud Dulac dit, je ne tiens pas l'adversaire, c'est lui qui me tient. Ah, attention. Ballon perdu en avant. Voyons la décision de l'arbitre. Le geste.
était explicite. Très explicite, mêlée favorable à Saint-Gaudens. Oh là 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 là. Voyons ici. Alors Saïd Tangarde qui va jouer ce tenu. Jusqu'ici tout va bien. Là jusqu'ici ça va. Mais c'est ici qu'il y a une passe en avant. Oui. Transmission, passe en avant pour Jamal Fakir. Aïe aïe aïe. Allez, Saint-Gaudens à l'attaque. Là maintenant, le ballon au milieu de cette ligne d'attaque pour le joueur entraîneur Russell Bussia. On accroche un peu les tenues. Attention, oh c'est bien joué dans le fermé. Il s'est échappé Claude Sirvin et Aguif, parce qu'il s'est fait oublier depuis l'entame de la deuxième période. Attention, ce ballon pour Saint-Gaudens. Il faut venir se baisser là pour le prendre parce qu'il est grand et solide. Brad Middlebosch, attention à cette balle à hauteur pour Cook qui est pris. Et derrière le tenu, Kebdani, c'est bien joué. La balle pour Borlain qui fait son match. Hein. Il fait son match, Borlain aujourd'hui. Cinquième et dernier tenu, peut-être quoi, un drop. Qu'est-ce qu'il faut tenter là, Louis? Il faut jouer ce tenu. Kebdani qui va écarter. Ah non, Kebdani qui va y aller tout sur le pied, c'est bien joué. Oh, et le joueur qui a été plaqué dans son but, il y aura un renvoi sous les poteaux. Et Kebdani, que c'était bien joué. Ce qu'a tenté le demi de Bélé ici, sur ce ralenti que nous propose notre réalisateur Ivan Bodenès. Et bien sur ce plan serré, on a pu voir hein, qu'il y avait de l'idée. Regardez, hop, le crochet est là, pif. Oh, ah oui. Qu'il est bien ce coup de pied. Tactiquement, bien vu. Ballon de nouveau favorable à Saint-Gaudens. Donc attention, l'UTC se fait sérieusement accrocher dans ce moment du match. Allez, le ballon à l'intérieur des 20 mètres avec Kebdani. Kebdani. Golder. Ballon pour Borlain qui a franchi, repris. Bonne défense de Tangarde et de Pascal Jampi. Dans le fermé, on insiste. On l'a sauté. C'est bien joué pour sûr. Ah, ils vont le driver en touche, le joueur de Saint-Gaudens. Oui, non, peut-être. Non, il n'est pas sorti. Ah, très grosse résistance au plaquage. Là, ça se joue, Louis, à un cheveu de mouche et un cheveu fin. Hein. Oui, très fin. Pour une mouche proche de la calvitie. Ballon à l'intérieur des 10 mètres. Cinquième et dernier tenu. Golder, coup de pied de Golder. Ballon contré et récupéré. Bien joué. Jamal Fakir, bien placé. Oui, Saint-Gaudens qui s'évertue évidemment à rendre les ballons à son adversaire dans les conditions les plus difficiles. Donc l'UTC est obligé de contre-attaquer avec à l'intérieur de ses 20 mètres. Une équipe qui a progressé quand même sur la série des deux premiers tenues. Trois tenues, 10 mètres chaque portée de balle. Déjà 30 mètres franchis. C'est serré ce match. C'est une finale. Ballon pour Ouellette. Oh, la passe sur le pas qui a été ratée parce que interception. Oh, ballon perdu. On va poursuivre au pied avec Vignon qui était parti. Alors là, on va remettre un peu d'ordre dans la maison. Que dit monsieur Alibert? Là, oui. Déjà, il a commencé par regarder. Hop, oui, il a demandé à son juge de touche. Ah, mais il y aura une mêlée avec introduction. Pour l'équipe de l'UTC, 10-6, Louis. Il reste 20 minutes à jouer dans cette partie, dans cette finale du championnat de France et de rugby à 13. C'est extrêmement serré. Ouais. Et difficile de dire qui va lever le pompon. Oui, c'est très difficile pour l'instant, mais la capacité de Saint-Gaudens à résister physiquement à l'UTC est à mettre en avant d'ores et déjà. Allez, le ballon pour Rinaldi. Allez, on enchaîne maintenant avec le joueur du paquet d'avant. Avec Berthezen. Berthezen qui démarre à l'intérieur des 40. Oh, il est passé Berthezen, attention parce qu'il est vif. Il est vif derrière ses tenues. Il faut faire attention. 19 minutes à jouer, le ballon pour les Catalans. Sorti pour Frécinous. Bien joué Laurent Frécinous pour Jamal Fakir, les anciens coéquipiers à Villeneuve. Oh, et qui avance les joueurs de l'équipe de France. Cinquième et dernier tenu. Berthezen. Sorti pour Rinaldi, attention Rinaldi, coup de pied de Rinaldi, contact sur le coup de pied, joué dit l'arbitre avec Abbas, et Abbas qui a été drivé dans son but, mais qui a été plaqué me semble-t-il avant d'avoir été mis dans son but, oui. Oui, c'est-à-dire que le joueur était en situation de tenue, a été traîné après dans son but, donc c'est une pénalité favorable à Saint-Gaudens alors que deux joueurs sont à terre, se sont télescopés dans leur course, un joueur de Saint-Gaudens, un joueur de l'UTC. Tout revient dans l'ordre, donc match qui continue à être très très physique, très engagé, oh, très oui, indécis. Oh oui, regardez, Jean-Christophe Borlain ici,
les mains sur les hanches, et les mains sur les hanches de Jean-Christophe Borlin, c'est pas les mains sur les hanches d'Adamo, hein. Vous avez vu, Louis ? Mais oui, elles sont plus là. Hein. Ah, c'est pas à destination de nos plus jeunes téléspectateurs. Ah, non. Je suis un peu désolé pour les plus jeunes de nos abonnés. Ils vont aller consulter les encyclopédies de la chanson. Oui, ballon pour Kev Dany. Attention, il a joué ce tenu. Kev Dany aura du tenu, on est parti. Ballon au terme de la ligne médiane. Là maintenant. Et il a fait son match lui aussi. Ah, tous. Kevin Cook a fait son match aujourd'hui. Alors, pour le titre d'homme du match, moi je vois bien Claude Cervin pour l'instant. Mais enfin, bien joué Kev Dany. Coup de pied à suivre de Kev Dany. Ah oui, bien joué. Julien Rinaldi, qui tel le gardien de but, agile, a bien pris ce ballon. Et montée défensive sur Phil Howlett qui a laissé échapper un ballon hein, tout à l'heure. Howlett. Ballon pour Félous. Plaqué. Attention, résistance au plaquage là sur ce premier impact, c'est bien. Et les joueurs catalans qui sont menés 10-6. Un essai hein, seulement pourrait permettre aux deux équipes de revenir à égalité. Et on s'est bien baissé pour le prendre là. Ouais, mais il a pu continuer son action. Grégory Mounis, cinquième et dernier tenu. Que faire de cette balle, Laurent Frécilous? Un coup de pied. Oh, bien joué pour Olette. Attention, Olette qui va peut-être aller marquer. Olette qui crochette la passe d'Olette. Oh, le ballon récupéré par l'équipe de Saint-Gaudens. Oh là là, que c'était bien joué pourtant ce qu'avait fait l'ancien joueur de NRL. L'ancien. Oh là 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 là, c'est Thibaut Sur, Rodolphe, qui vient sauver. Quelle occasion! C'est une occasion qui est ratée par le bon travail de la défense saint-gaudinoise, bien organisée. Bonne coordination, des joueurs qui se sont parlé. Donc attention, l'UTC piétine devant l'organisation défensive de Saint-Gaudens. Et le chronomètre qui tourne. Attention, c'est important. Que dit l'arbitre? Voyons, regardez ici, on ralentit. Pif! Le crochet d'Olette, il donne ce ballon et là, alors là, cadeau pour Thibaut Sur. Ouais, on cherchait à retrouver Matthew Hill, mais. Eh oui. Ah, ils s'en sortent bien. Tiens, un gros plan de nos amis de la société In the Garden, la société de production In the Garden. On a reconnu nos amis Arnaud Aubois et Jean-Philippe Sauger. Et derrière, lui, quelques joueurs des Hussards de Paris. Hussards Nanterre, oui. Et Hussards de Paris Nanterre, dont le Limouxin Pierre Merville. On a aperçu le futur Limouxien. Malheureusement, il va nous quitter le club des Hussards de Paris. Ils sont venus nombreux disputer un tournoi face à l'UTC2, tournoi de beach rugby. Alors, qui a gagné, Rodolphe? Je suis match nul. Curieux. Match nul. Ah, donc personne n'a gagné, personne n'a perdu, tout va bien. C'est ce qu'il faut, les veilles de finale. Oui. Pas de déception. Ballon pour Boitou Koulibaly, à hauteur de la ligne des 30. On enchaîne avec Kev Dany maintenant. Bien joué, Golder qui a conservé le ballon. Attention, Golder. Dangereux, Anthony Golder avec Saïd Tangard qui était à ses trousses. Le ballon, oui, libéré à nouveau. Alors, attention, c'est fort ce qu'ils font les joueurs de Saint-Gaudens en ce moment. Golder, il est pris. Il faut absolument museler Anthony Golder. Cinquième et dernier tenu. Kev Dany. Kev Dany, pareil, coup de pied de Kev Dany. Il s'est contré, une forêt de jambes et récupération de Renaud Guigues. Attention parce que lui, en matière de jambes, il s'y connaît. Les siennes tournent plus vite que celles de Lance Armstrong. Ballon à l'intérieur des 10 mètres. Ping! Oh! Contact terrible! Oh! De Boitou Koulibaly. Et allez encore, hein, Koulibaly qui a été battu là sur ce crochet de Julien Rinaldi. Julien Rinaldi, blessé malheureux de la finale de la Coupe de France, souvenez-vous. Et qui est revenu à son top niveau. Oui, alors Rodolphe, l'UTC qui essaie de passer en force dans ce match. Qui peut-être ne varie pas assez son jeu pour contourner cette organisation défensive. Trop peu peut-être de jeu en direction des trois quarts. Oh, que c'est dommage ce ballon perdu. La défense résiste bien, on fait des fautes. Donc le chronomètre tourne maintenant. Allez. Contre l'UTC. Aïe, 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 aïe. Oui, cela dit, les Catalans n'ont que d'essai, hein, que d'essai à marquer pour revenir à égalité. On essaie de transformer, ils pourraient prendre la tête de cette rencontre. Allez, on avance avec les gros là maintenant. Avec les gros de Saint-Gaudens, avec les ours qui sont maintenant à l'intérieur des 20 mètres. Retour intérieur pour Mathias Vignot. Mathias Vignot qui est venu en avion. Mathias Vignot, il est venu en avion, c'est le mariage de son frère aujourd'hui. Il est venu en avion privé, il repartira en avion privé. Et c'est pas des blagues. Attention, Rodolphe. Ballon pour Sirvin. Sirvin
qui est à 2 mètres de la ligne avec Golder dans son sillage. Ballon écarté par Golder, c'est une double sautée. Le ballon pour Dulac, attention, la marque, ça va laisser le sur. Oh, c'est un essai, non. Est-ce qu'il a marqué? Oui. Et c'est marqué. Et c'est ou pas essai, Conciliabule. Conciliabule des arbitres, oui. Adam Inès a marqué sur l'aile de Thibaut Sur et de Fourcade Abbas. Et c'est marqué, un essai délié pour l'arrière. Adam Inès. Marqué essai, et c'est marqué, lui. Marqué un essai, dans quoi? Dans ce moment du match, c'est ce qui pouvait être le, évidemment, le plus profitable à ces Saint-Gaudinois. Oui, mais ce qui pouvait être le plus funeste pour ces joueurs catalans, parce que là, ça commence à faire cher. Ben, ça fait cher, Rodolphe, parce que d'abord, c'est le troisième essai qui est marqué par les Saint-Gaudinois. Une équipe qui a quand même cette dimension, a voulu donner une dimension en direction du jeu, en direction de ces trois quarts. Qui oppose deux styles. On sait maintenant que plus le match avance, plus deux styles s'opposent véritablement. Celui du mouvement, alors que du côté de l'UTC, on est persuadé et convaincu qu'on va faire craquer la défense saint-gaudinoise qui tient bien. Donc voilà, voilà le symbole du jeu de Saint-Gaudens. Voilà. Oh, on passe, hop, on varie. Alors ça, c'est du travail technique parfait. Et c'est un bout de ligne. Et c'est accordé à cette équipe de Saint-Gaudens. Arnaud Dulac, le capitaine de Saint-Gaudens, qui est à quoi, lui? C'est moins d'un quart d'heure. Et nous sommes, Rodolphe, à moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes de la fin de cette partie. Alors, voyons, là... Ah, ça va passer à côté. C'est passé à côté. Oui, mais mathématiquement... Oui, Saint-Gaudens a un essai d'avance plus quelque chose, ce qui fait que pour l'UTC il faut au moins marquer un essai plus cet essai transformé plus autre chose. Donc maintenant c'est le chronomètre qui est l'adversaire supplémentaire pour les Catalans. 11 minutes exactement, Louis a joué. Ouais, 11. Ouais, 11 merci minutes. Merci. Alors, Hervé, est-ce que, renseignez-vous Hervé, si du côté du chronométreur, on peut, pour l'instant, il n'y a pas de temps de jeu supplémentaire qui, ça va prendre une importance capitale. Allez, le ballon pour cette équipe de Saint-Gaudens. Alors là, maintenant, 14 points à 6, on n'a pas réussi la transformation, mais il n'en reste pas moins qu'ils mènent au score ces joueurs de Saint-Gaudens et qu'ils ont un petit matelas de points, attention. Allez, on avance là maintenant. On avance, le ballon à hauteur de la ligne des verts avec Kebdani pour faire... Oh, attention, Arnaud Dulac, le coup de pied par-dessus, il a lu le placement de la défense. Et récupération de balle pour Renaud Guigues. Et Guigues, qui est pris dans la tenaille, là, Renaud. Aïe, Renaud, il ne peut pas faire grand-chose. Et là, oui, on a du mal à se replacer, on a du mal à se replacer, on a les mains sur les genoux, côté UTC, avec Stephen Hall. Allez, c'est peut-être de Stephen Hall que va venir la lumière. Et c'est maintenant un ballon à hauteur de la ligne médiane qui va permettre peut-être d'espérer résister dans cette fin de match pour les Catalans. Allez, Berthezen, il va falloir maintenant toute la fierté de ces Catalans de l'Union Trésiste pour venir coiffer sur le poteau ces joueurs de Saint-Gaudens qui n'ont pas démérité. Cinquième et dernier tenu. Allez, sortie de balle avec un coup de pied transversal de Julien Rinaldi. Attention, il y a un 3 contre 2, la réception du ballon. Il ne faut pas se rater pour Saint-Gaudens. Ils se sont ratés, ballon récupéré en avant, récupéré par Grégory Moulis. Et à l'arbitre qui demande la vidéo. Oui, monsieur Alibert si... a demandé la reprise vidéo. Oui, pour savoir s'il n'y a pas intervention d'un joueur sur le défenseur. Alors, on va voir. On va voir. Alors, attention, attention, Louis, parce que là, ce pourrait être le tournant du match. Alors, Thibaut Sur qui rate ce ballon, pour moi il n'y a pas de faute, et Grégory Moulis est là pour aplatir. Oui, Thibaut Sur qui était à la réception de cette balle, l'essai est accordé, il n'y a pas de joueurs qui sont intervenus sur Thibaut Sur avant qu'il ne se projette pour en l'air pour essayer d'attraper cette balle. Donc un essai qui relance complètement cette rencontre à quelques moins de 7 minutes, 8 minutes de la fin de ce match. Alors, donc 6 et 4, 10 et peut-être 12 à 14. Mais toujours Saint-Gaudens qui met quel le score. Match. Quel match. Quel Lut- match on est c'est en train de suivre. Retour fantastique de l'UTC. Quel match on est en train de suivre dans cette fin de partie. Quel final palpitant, Laurent Frécinous. Pour la transformation. 14-10, peut-être 14-12. Au bout du pied de Laurent Frécinous, et il ne tremble pas. Oh, si, aïe, 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 aïe. Le poteau
le demi d'ouverture de l'équipe de France qui n'a pas transformé. Que c'est dommage, il n'a pas transformé cet essai inscrit par Grégory Mounis. Un essai qui ressemble, lui, à celui inscrit par Claude Sirver en première période. Et pif, aïe, 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 il a touché du bois. Oui, alors aujourd'hui, c'est pas la journée parfaite pour les buteurs. De bonnes occasions ratées des deux côtés. Allez, le renvoi. Allez, le renvoi pour Anthony Golder. C'est parti. Alors là, maintenant, Louis, les données du problème sont simples. Il reste à peu près 8 minutes à jouer dans cette partie. L'UTC balle en main. L'UTC peut revenir à hauteur de Saint-Gaudens, marquer un essai et revenir à 14 partout et coiffer ces ours en inscrivant la transformation. Et oui, Saint-Gaudens, pardon Louis, excusez-moi, il ne leur reste plus qu'un seul changement à effectuer. Ils n'ont plus droit qu'un seul changement, tandis que l'UTC a encore droit à 4 jokers. Oh là 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 là, ça c'est important Hervé, très important ce que vous nous dites. Plus qu'un seul changement, ça veut dire qu'il va falloir être solide, très solide pour contrer les percussions. Oui, d'autant plus que Bucian, le capitaine entraîneur, traîne la jambe depuis un moment et que Arnaud Dulac souffre aussi énormément. Ben oui, c'était une des interrogations de ce match, de savoir si Arnaud Dulac allait pouvoir tenir. Donc, est-ce que le travail d'usure de l'UTC, entrepris depuis pratiquement plus de 70 minutes de jeu, va payer maintenant? C'est le pari qu'ont fait les joueurs et l'encadrement technique de l'UTC, faire craquer physiquement Saint-Gaudens. Pour l'instant, c'est Saint-Gaudens qui résiste. Rinaldi, le ballon juste en hauteur. Ah, il ne faut pas faire de faute côté catalan. Il y a 4 points à marquer. La valeur d'un essai. Et il faudra résister maintenant hein, à Saint-Gaudens aux percussions des avant. Celle de Jamal Fakir, celle d'Adel Felous. Celle, attention, ce ballon ramassé par Frécilous. C'est un malheur, Laurent Frécilous. 5e et dernier tenu. Quelle classe, Laurent Frécilous. Berthézen aura du tenu. Oh, l'interception! Interception! Oh là 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 là! Oh, l'interception de Claude Sirver à l'intérieur de ses 10 mètres. Imaginez, Louis, imaginez si Claude Sirver ne lâche pas ce ballon. Oui, imaginez ce qui se passe, oui, souvenez-vous du match à Pia. Oui, mais ce qui se passe, c'est que Rodolphe Claude Sirver, en tentant cette interception qui n'a pas réussi, a commis un en avant qui va donner une mêlée favorable à l'UTC à hauteur des 10 mètres dans le camp de Saint-Gaudinois. Donc c'est certainement le tournant du match, Rodolphe. Attention, tournant du match avec ce ballon à l'intérieur des 5 mètres. Là maintenant, la sortie pour Frécilous, on enchaîne avec Adel Felous. Ah non, il n'a pas donné à Felous, il a gardé le ballon. Oh, il a été rageusement plaqué au sol par Boitou Koulibaly. On enchaîne maintenant avec Berthézen. Le ballon pour le capitaine Aurélien Colony, on est à l'intérieur des 5 mètres. Quelle défense, c'est un match héroïque pour Saint-Gaudens. S'ils s'en sortent les Saint-Gaudinois, ils sont grands et forts. Et on ne s'est pas jeté sur ce ballon. Joué, pourquoi ont-ils tapé dans la balle, les joueurs des Ours? Ballon rendu à Jamal Fakir. Combien de tenues? Eh bien, tout simplement, on a effacé le tableau. On est reparti avec une nouvelle série offensive. Voilà. Avec maintenant c'est ce énorme ballon pour Sivanol. Attention, ballon perdu, pas d'en avant. Si, oui, en avant, faute ou pas faute. Non, ah, ça repart à zéro encore, Rodolphe. Ça repart à zéro. Ah, c'est énorme. A été touché. C'est énorme le travail. Le ballon a été touché par un joueur de Saint-Gaudens. Quelle défense! S'ils s'en sortent sur ce coup-là, les joueurs de Saint-Gaudens, eh bien, on pourra leur tirer le chapeau. Vraiment. Et plus que le chapeau, ce qui vient avec, c'est-à-dire la perruque. Ballon, oh, la passe aux chaussettes pour Adel Felous. Allez, Adel Felous, bien joué, Adel, qui a libéré avec le ballon maintenant pour Jamal Fakir. Il avance, c'est un char d'assaut. Fakir, aïe, 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 aïe. Jamal Fakir qui a perdu le ballon. Le coffre le plus solide du championnat. Lui, le fort Knox du ballon avec les pectoraux de Jamal Fakir. La paire de bras n'a pas suffi pour tenir ce ballon au chaud dans cette fin de match. Le chronomètre qui s'égrène et qui tourne maintenant en défaveur de cette équipe catalane. Il reste, à mon sens, Louis, quoi, 4 minutes à jouer. Oui, mais 4 minutes, mais Rodolphe, Saint-Gaudens n'arrive plus à progresser. C'est une équipe qui est à la limite de la rupture, qui grignote des centimètres, mais qui n'arrive plus à enclencher des actions d'envergure, si ce n'est sur un exploit individuel, voire les jambes peut-être de Claude Sirvec, qui vont surprendre à nouveau ce secteur défensif. Allez, sur la dernière possession de balle, un coup de pied, attention, faut pas se rater, pas de faute. Et l'équipe de l'UTC qui, attention, une balle intéressante à jouer avec la passe pour Philo Houlette. Et qui va être plaqué. Quelle fin de match! Quelle fin de match au couteau! On n'en attendait pas moins de ces deux formations. Frécilous est tout sifflé de l'arbitre. Et il y aura une pénalité. Pénalité, c'est un peu sévère cette pénalité.
et ils vont récupérer maintenant le ballon à hauteur de la ligne des 30. Que c'est dur pour Saint-Gaudens qui est en train maintenant de finir ce match. Alors c'est au courage, Louis. Ah, c'est courage, l'énergie. Au moral, au mental, aux tripes. Ils finissent ce match. Les joueurs de Saint-Gaudens, attention, ça ne suffira peut-être pas. Les tripes et le courage, parce qu'il va manquer un peu d'énergie avec Berthézen. Quelle grosse machine que cette machine de l'UTC avec Abbas qui va pointer là-bas. En pointe, il faut descendre maintenant. La passe est bien jouée pour l'UTC. Et c'est marqué, oui, non. Oui, non, non, c'est perdu. Non, 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 ballon perdu. Ballon perdu. Ah non, non. L'arbitre qui veut revoir ceci au ralenti. Et je crois bien que le ballon a été perdu. Je ne suis pas sûr qu'il ait été aplati, Louis, ce ballon. Attention, nous sommes, Louis, dans le tournant du match. Tournant du match, si l'UTC voit cet essai accordé, c'est l'égalité. Moi, à mon avis, Rodolphe, ce ballon n'est pas aplati. À mon avis, cet essai n'est pas aplati. Eh non, il n'est pas aplati. Alors, bon, c'est notre perception. La balle est partie. Oh là là, donc, c'est très important. L'essai est-il accordé ou pas? Attention. Oh là là, oh là là, Rodolphe. C'est dramatique pour l'UTC. Le courage de Saint-Gaudens a prévalu. Donc, c'est maintenant à moins de 2 minutes de 120 secondes. Ouais, c'est à peu près ce que font en 2 minutes. C'est lourd, Louis. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd ce climat. Il fait C'est terrible. On rajoute une pression sur les Giral. Une pression incroyable ici dans ce match. C'est une finale qui fera date. Malheureusement, il y aura un perdant. Ah oui. Et c'est dommage. Oh là là. Oh là là. Récupéré. Oh là là. Quelle finale. Ballon pour Molis. Allez, c'est pas fini pour les Catalans. Erreur de Saint-Gaudens. Sortie Berthézen. Le ballon pour Fressilouz. Allez, c'est pas fini. Avec Olette. Olette qui va peut-être donner ce ballon. Ah, il a bien conservé la balle. Hein. Il a été malin. L'expérience sortie de Fressilouz. Allez, on écarte maintenant ce ballon. Et le soutien de ce public catalan ici à Aimé Giral. Parce que c'est maintenant qu'il faut céder. C'est maintenant qu'il faut aider cette équipe. Allez, il faut être solidaire. Rinaldi, l'expérience. Mounis qui est plaqué. Alors, combien? Quatrième tenue, je crois. On va faire reculer cette défense de Saint-Gaudens. Quel match, quel courage. Vont-ils céder les joueurs de Saint-Gaudens? Coup de pied de Rinaldi, que c'est bien joué. Oh, et Timo Sur qui dégage. Tel le défenseur avec la rage de Lizarazu. Il vient de dégager ce ballon alors qu'il ne reste plus rien à jouer dans ce match. Regardez ici. Oh, c'est le coup de pied. Salvateur. Oh là là, regardez ici le coup de pied de... Oui, alors... Oh, c'est beau ce qu'a fait Julien. Oui, oui, c'est très beau, mais Thibaut Sur, encore une fois, tout à l'heure, il a intercepté cette balle. Là, il pousse à mal au mort. Donc c'est 50 sur... secondes, Louis, sur... au chronomètre de Richard Fried. Bon, 50 secondes. Donc il y a en gros 30 secondes d'arrêt de jeu supplémentaire. Donc c'est maintenant, sur 30 secondes, que se joue cette finale. Et se joue cette saison pour l'UTC, vainqueur de la Coupe de France. L'équipe de l'UTC a maintenant pratiquement... 6 tenues pour marquer, oui, pour égaliser tenues. Et pourquoi pas pour prolonger ce plaisir et pour jeter le match à les prolongations. Le ballon avec Mounis là maintenant. Attention, il est récupéré, ses appuis. C'est bien joué, superbe avec Felous et le public d'Aimé Giral qui se lève parce que le public a bien compris que c'est maintenant que la partie se gagne ou se perd. Sortie pour Aulet, Felous. Les joueurs sont épuisés. Attention, Aulet, petit coup de pied à suivre. C'est contré, le ballon qui sort. Attention à la décision. Il reste pas grand chose et petit accrochage parce que là il y a de la frustration, de la crispation. Quel climat, quelle pression. Et c'est fini. Et c'est fini, oh, et c'est fini. Et c'est terminé. Oh, c'est terminé. Victoire de l'équipe de Saint-Gaudens. 14 points à 10. Victoire de Saint-Gaudens. Regardez Robert Viscaille porté par ses joueurs. 14-10. L'UTC est battu sur sa pelouse d'Aimé Giral. Battu par une équipe de Saint-Gaudens qui l'avait dit avant cette partie, si nous devons gagner une finale, eh bien c'est aujourd'hui, Louis, parce que nous arrivons au bout d'une aventure. Une aventure humaine, selon la formule consacrée. C'est une équipe d'amis, une équipe de copains qui aujourd'hui a résisté comme telle. Parce que là, aujourd'hui, super. Ce qu'on a vu, Louis, c'est énorme comme résistance à cette équipe. Cette énorme machine de l'UTC. Oui, une équipe de Saint-Gaudens qui a été plus entreprenante dans la variété du jeu. L'UTC avait misé sur la dimension physique de ce match en espérant faire craquer. C'est le pari à Fari réussir, mais la défense de Saint-Gaudens a été consistante. Des joueurs qui finissent sur les genoux, qui sont allés au bout de...
Oh là là, Louis, c'était terrible. Extraordinaire. Ce qu'on a vu, c'était terrible. Et c'est cruel à l'image, regardez ici, de Renaud Guigues, l'arrière de l'UTC, qui a fait un bon match, lui aussi, comme tous. Mais tous, Rodolphe, ont fait des bons matchs dans des styles différents. Mais le problème, c'est que les choix tactiques, à mon avis, ont été déterminants dans l'orientation de ce match. Et puis, le pari de Saint-Gaudens s'est appuyé sur un courage énorme. Eh oui, cette très belle victoire, parce que c'est une victoire au courage. L'équipe de Saint-Gaudens s'impose, l'équipe de Saint-Gaudens sur Canabas, portée en triomphe. L'équipe de Saint-Gaudens est championne de France de rugby à 13 2004. Rodolphe. Rodolphe Louis. Oui, oui. Oui, excusez-moi, je suis aux côtés de Pascal Jean-Py. Pascal, bon, au-delà de votre énorme déception, c'est sûr, je pense que votre équipe aujourd'hui n'a peut-être pas assez varié le jeu. Oui, je crois que bon, ça c'est énervé un peu. Le Saint-Gaudens a fait un très grand match, dans une finale, ils ont gagné cette finale. Ils ont réussi à nous tenir dans notre camp, nous on a paniqué, on a fait beaucoup de fautes dans nos 20 mètres. Et quand on a joué chez eux, ben, je crois qu'on n'a pas supposé notre jeu. Je crois qu'on a essayé de jouer un par un. On n'a pas déposé notre jeu, on n'a pas fixé, après pour essayer de déployer un peu plus de jeu et les mettre en difficulté. Voilà, maintenant félicitations à Saint-Gaudens. Bon, je voulais partir sur des choses positives parce que bon, je comptais arrêter ma carrière là, à la fin de ce match. Vous êtes obligé de rester. Je sais pas, je vais voir. Je vais faire le point là, je vais prendre des vacances et on verra bien. Merci Pascal, merci beaucoup. Allez, Pascal Jean-Py, ça donne à réfléchir hein, Louis, mais alors quelle finale! Quelle finale on a vécu ensemble, parce que vraiment l'UTC et Saint-Gaudens sont allés au bout du bout, au bout du courage. Ces garçons ont été admirables en tout. Admirable, Rodolphe, dans un match d'une très grande qualité. C'est à mon avis l'aspect tactique du jeu, les choix faits par l'encadrement technique dans le match qui ont fait la différence. Saint-Gaudens a été à mon avis beaucoup plus entreprenant, et alors que l'UTC avait misé sur le travail de Sap, qui a peut-être réussi tout au long du championnat, mais qui n'a pas réussi aujourd'hui. Eh oui, un travail qui n'a peut-être pas réussi, mais enfin, en tout cas ils ont été couronnés, ils ont gagné la Coupe de France, ils ne feront pas le doublé, c'est dommage Louis pour cette équipe de l'UTC. Mais alors quelle saison pour cette équipe de Saint-Gaudens, qui était, on le sait Louis, l'underdog, l'outsider, mais qui a réalisé une partie extraordinaire. Mais alors, on se souviendra, Louis, de ces dernières minutes jouées. Ils sont allés au bout, du bout, du bout, du bout. C'est énorme ce qu'ils nous ont produit, vraiment. Oui, c'est énorme, parce qu'on a senti que l'UTC, dans les dernières secondes, avait encore sa chance de renverser le cours de ce match. Mais Saint-Gaudens a tenu jusque dans les dernières secondes de ce match. Eh oui, ça se joue en 80 minutes un match. On va aller faire un tour sur le bord du terrain avec Hervé Guiraud. Hervé Guiraud, vous êtes peut-être avec un joueur vainqueur et un joueur heureux. Un joueur heureux, l'homme du match, comme vous disiez tout à l'heure, Rodolphe, l'homme le plus assez de ce championnat, Claude Sirvain, l'homme de Vernajoul, qui nous fait souvent rêver avec ses grandes courses. Claude, Rodolphe disait c'est énorme, je crois que ce soir c'est un grand bonheur pour vous. C'est sûr, c'est plus que je suis à Saint-Gaudens, c'est un travail pour arriver à ce résultat, et quand là c'est vraiment énorme quoi. C'est une sacrée équipe, un sacré club. Et avec pas beaucoup de moyens, mais un cœur énorme, et c'est fabuleux quoi, c'est énorme. Ce soir c'est le match du courage, et aussi je crois qu'il faut penser à ce talonneur qui en première mi-temps, à ce Baumann qui vous a mis toujours dans le droit chemin, qui est parti, qui vous a laissé suite à une grave blessure. Je crois que ce soir vous avez joué en seconde mi-temps pour lui, et avec un cœur énorme, je me répète. Oui, on a joué pour lui, c'est sûr, et après il y a Marc et d'autres joueurs qui se sont bien fait mal. Moi j'ai eu la chance de pouvoir revenir, il y en a qui n'ont pas pu. On a un petit effectif comme je disais, mais bon, un cœur énorme, et on vient de prouver que sans trop de moyens, et bien, on arrive quand même à être là. Mais j'aime pas le dire, mais on est les meilleurs de France pour ce soir quoi, moi. Bah, oui. Petit effectif, c'est vous qui le dites. Oui, voilà, oui. Claude, ce n'est que votre avis, parce que croyez-moi, il y a de sacrés joueurs à Saint-Gaudens. Mais c'est vrai, aujourd'hui, un grand joueur. Bravo, Claude. Oui, et c'est émouvant, hein, Louis, de voir un grand garçon comme Claude Sirvain ému aux larmes d'émotion, qui aura peut-être été le héros
de cette finale en dégageant ce dernier ballon. Un ballon qui était plus que chaud, bouillant. C'était de la lave, hein, Louis. Ah oui, oui, ce oui ballon, c'était, il a dégagé ah, oui, oui, oui. Coup de pied non, magistral. Chacun fait la différence dans les derniers instants. Mais pardonnez-moi, Louis, mais oui, oui, Claude Sirvin qui gagne aujourd'hui deux essais, champion de France avec Saint-Gaudens, un grand garçon comme lui, qu'on voit ému aux larmes. C'est la preuve que ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est la classe d'une très très grande équipe et la récompense qui vient va sans doute. Ils sont loin de démériter, ils n'ont pas démérité du tout. Et les joueurs de Saint-Gaudens qui vont soulever le bouclier, l'équipe de Saint-Gaudens est championne de France de rugby à 13 2004. Et le président Jean-Alain Rive, qu'on a vu lui aussi, qui est venu toucher ce bouclier. Et un bouclier qui est porté par Claude Sirvin, touché par Mathias Vignon. Bref, une équipe de Saint-Gaudens qui, avec des joueurs, et regardez Jean-Christophe Borlin, il le touche le planchot parce que lui aussi, il est content, champion. Ils avaient échoué, souvenez-vous, à Charletti en 2000, l'année dernière, battu par Villeneuve. Et bien, pour certains, cette finale, eh bien, elle a la couche d'un titre et ça c'est beau, c'est fort pour ces garçons. Oui, c'est fort parce que c'est une victoire qui est obtenue sur un adversaire de grande qualité, qui était le grand favori de ce match, qui était l'épouvantail du championnat de France avec une constellation de joueurs internationaux. Mais aujourd'hui, les choix tactiques adoptés par les deux formations ont donné raison au rugby de mouvement, c'est-à-dire celui pratiqué par Saint-Gaudens. Trois essais pour Saint-Gaudens, c'est quand même le gage d'une orientation de jeu. Allez, on va aller vite retrouver Hervé Guiraud aux côtés d'Anthony Goldard parce qu'on va lui laisser savourer cette victoire. Hervé, vous êtes aux côtés, j'imagine, d'un demi d'ouverture. Qui s'est ouvert en deux aujourd'hui. Une demi-ouverture exactement, qui s'est ouvert en deux. Anthony, l'an dernier, vous aviez perdu contre Villeneuve de très très peu. Ce soir, vous avez joué avec un cœur énorme et beaucoup beaucoup de détermination. C'est ça qui a gagné le match ce soir, le cœur, l'envie, l'esprit entre tous les joueurs. Quand Lee Bowman il a sauté le train avec un gravement blessé, tout le monde il a envie de gagner pour lui, pour nous ensemble. C'est un esprit incroyable cette équipe, c'est vraiment bien. Votre équipe a toujours avancé, a posé d'énormes problèmes à cette équipe de l'UTC. Oui, mais on n'est pas avancé trop dans le deuxième mi-temps, mais on a fait que la défense. Il y a tout le monde qui défend, et on ne manque pas beaucoup le plaquage. Et même quand on manque le plaquage, il y a toujours quelqu'un qui fait le dernier plaquage avant de marquer. C'est vraiment... bonne expérience ce soir, c'est incroyable. Ce soir, vous allez avoir beaucoup de difficultés pour boire quelques bières. Non, ça va être pas le problème du tout. Ça va être pas le problème du tout. Merci beaucoup, Anthony. C'est la récompense pour Anthony Golder et pour ses joueurs de Saint-Gaudens. Je ne pense pas qu'il y ait quelconque problème. Rien ne peut arrêter Saint-Gaudens aujourd'hui. Non, et pas même les blessures avant d'aller rejoindre la buvette. Voilà, donc c'est des joueurs aux côtés de leur président, les joueurs de l'UTC qui ont été battus, qui ont tout donné, mais qui ont été battus, lui, il faut le reconnaître, par une équipe de Saint-Gaudens qui s'impose de 4 petits points, la valeur d'un essai. Mais on se souviendra longtemps de la performance des joueurs de Russell Bussian, joueur entraîneur aux côtés d'Hervé Guiraud. Voilà, Russell Bussian, peut-être un homme trop discret qui reste peut-être un peu trop effacé, mais que vous avez fait cette année à Saint-Gaudens un travail formidable. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'une grande équipe qui a joué avec beaucoup de cœur. Oui, c'est une histoire que mettre 5 ou 6 ans avant avec tout le monde, quand il y a le mec comme le jeune Koulibaly, Focal Abbas, Chris Sinclair, il est là avec Anthony Goldin. Et ça commence là. Et aujourd'hui, c'est la fin de 6 ans de bon travail, quoi. Merci beaucoup, Russell. Merci beaucoup. Et il a raison, Russell Bussian, parce que ça couronne les efforts d'une équipe qui n'avait pas été vernie ces dernières années. Mais en tout cas, les voici champions de France, les joueurs de Saint-Gaudens. On a vécu, Louis, une super finale. Ah, magnifique, Rodolphe, un match comme nous les aimons, indécis, fort et dur. Oui, dur, c'est aussi, vous avez dit, indécis, fort, dur et beau. C'est aussi ça, le rugby à 13. Et les prochains rendez-vous, justement, de rugby à 13, ils seront beaux, forts et durs, tout à la fois. Le troisième,
State of Origin entre la Nouvelle-Galles du Sud et le Queensland. New South Wales, Queensland, c'est la belle. Un partout, ça sera à suivre mercredi 14 juillet. Ça sera, on en est sûr, un grand moment. On va se régaler avec ce match des State of Origin entre la Nouvelle-Galles du Sud et le Queensland. On a vécu, Louis, une bien belle soirée. Je tenais particulièrement à vous remercier pour ce 471e hein, c'est, oui, ça, c'est ça, oui. Match, oui, oui. Deux étions là. Match en votre compagnie. On a vécu une belle soirée. Merci donc à toutes les équipes qui ont travaillé aujourd'hui sur cette finale du championnat de France de rugby à 13. On espère vous retrouver très bientôt pour ce magnifique sport qui a connu aujourd'hui une issue très favorable avec cette victoire de l'équipe de Saint-Gaudens. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. À très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Salut. Au revoir. Salut à tous.